sedd ci na dal waw goor yeen kontan gis na seen taxaway dem len gu len ragal waw goor yeen kontan ngi keur keur yi ligey di ko matal waw koor yeen man bet na nañu len yombalal ligey jappal te gungele yaakar na Merci, mesdames, mesdames, messieurs, d'être venus à la troisième édition du Salon international des mines, co-organisé par le ministère de l'Industrie et des Mines et M-Trade. Excellences, Monsieur le Président de la République, le CIM Sénégal 2014 se tient dans un contexte particulier, celui du plan Sénégal émergent. PSE, désormais référence stratégique de toutes les politiques économiques dans un horizon à moyen et long terme. Le PSE a pour ambition de hisser le Sénégal au stade de pays émergent à l'horizon 2035 et se fixe, entre autres objectifs majeurs, une croissance durable et inclusive du produit intérieur brut, le PIB réel, de 7 à 8%. Dans cette stratégie de développement, le secteur des mines figure parmi les 6 secteurs moteurs de croissance avec une contribution significative attendue en termes de croissance d'emploi, de recettes d'exportation et d'investissement direct étranger. Au plan quantitatif, les objectifs retenus à l'horizon 2020 sont de produire annuellement entre 15 et 20 millions de tonnes de fer, 2,5 millions de tonnes de phosphate, 3 millions de tonnes d'acide phosphorique, 17 tonnes d'or et 90 000 tonnes de zircon. Les projets y afférents sont recensés parmi les 27 projets prioritaires du PSE et pour chaque projet, les ambitions stratégiques, la description, les objectifs opérationnels et le calendrier indicatif de réalisation sont clairement déclinés. Le zircon, la relance du projet de fer de Falémé, le hub minier, figure dans la première vague des projets qui a été lancée. La deuxième vague, dont le lancement est prévu prochainement, comprend le secteur aurifère, les phosphates et fertilisants, la promotion des mines artisanales et, au titre des réformes, la révision du code minier. Pour assurer l'exécution efficace des projets du PSE, vous avez décidé la nomination de chef de projet. Le cadre macroéconomique que voilà nous a suggéré le thème que nous avons proposé pour la présente édition du Salon, à savoir le secteur minier, moteur de croissance et de prospérité. Il nous a paru en effet opportun de saisir l'occasion que nous offre le Salon pour partager davantage avec les acteurs les enjeux du PSE. Ils en ont certes déjà une bonne connaissance, mais parce que le secteur minier présente la particularité d'être hautement capitalistique, avec des ressources généralement privées, le Salon nous offre une opportunité de mieux vulgariser les ambitions stratégiques, les objectifs opérationnels et le calendrier indicatif. À cela s'ajoute le fait que la contribution des sociétés minières sera décisive dans le suivi de la réalisation des projets, en particulier avec les chefs de projet. En effet, l'atteinte des objectifs opérationnels dans les délais fixés nécessitera des séances de travail régulières et de visites de terrain auprès des sociétés déjà en exploitation, mais également des titulaires de permis de recherche. C'est pourquoi, durant ces 3 jours, nous avons retenu de discuter des divers sujets relatifs au thème central, les opportunités d'investissement qu'offre le secteur,
le contenu local dans les industries extractives pour une croissance durable, l'exploitation minière au Sénégal, la responsabilité sociétale des industries extractives, les défis des infrastructures, pour terminer par un gros plan sur les projets miniers. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la tribune qu'offre le Salon des mines est aussi une occasion d'informer les acteurs du secteur de certaines activités majeures réalisées depuis la dernière édition en 2012. Dans le domaine de l'orpaillage traditionnel, une rationalisation a été opérée. Ainsi, un arrêté organise désormais la profession d'orpailleur réservée aux seuls nationaux avec la délivrance d'une carte d'orpailleur. Par ailleurs, il faut le noter, grâce à la bonne collaboration des sociétés minières concernées, des couloirs d'orpaillage ont été délimités à l'intérieur de leur périmètre. En outre, un arrêté interministériel a été pris pour fixer les modalités d'ouverture et de fonctionnement des comptoirs d'achat des métaux précieux et des pierres précieuses. Dans le domaine des réformes, la commission de revue du code minier instituée conformément à vos directives vient de déposer son rapport auprès du ministre de l'Industrie et des Mines après un processus de 15 mois qui a vu la pleine collaboration de la Chambre des Mines invitée à titre permanent à participer aux travaux. En matière de production, il pourrait être relevé l'entrée en exploitation au cours du troisième trimestre de l'année 2014 de la société Zircon Grande Côte Corporation à Diogo, qui a effectué ses premières opérations d'exportation. Elle sera suivie par la société des mines de la vallée, Somiva, qui a eu l'honneur de recevoir votre visite à l'occasion de la récente tournée économique que vous venez d'effectuer. Dans la branche des phosphates, le gouvernement a apporté à la connaissance de l'opinion l'accord signé en août 2014 avec un actionnaire stratégique, la société Indorama, pour la relance durable des activités des industries chimiques du Sénégal. Un programme de relance des activités a été arrêté avec des investissements de 225 millions de dollars à réaliser sur une période de 14 à 20 mois, auxquels s'ajouteront les investissements nécessaires à la réhabilitation de Senship. Conformément aux engagements pris, la société Indorama a déjà effectué un versement initial de 100 millions de dollars à titre de capital. Le Conseil d'administration des industries chimiques du Sénégal, réuni le 30 octobre 2014, a adopté le plan d'affaires pour les prochaines années. Dans le domaine aurifère, un accord a été signé avec la société Sabodala Gold Operation. La redevance minière a été portée de 3 à 5%. Cet accord a été aussi l'occasion de dégager un volant de 10 millions de dollars à titre de programme social dont l'exécution sera directement assurée par Sabodala. Pour appuyer la politique du gouvernement dans la région de Kédougou, Monsieur le Président, vous avez néanmoins demandé que ces ressources minières, 10 millions de dollars, soient utilisées par SGO en priorité pour appuyer certains départements ministériels, notamment le ministère de la Santé, pour le relèvement du plateau médical des districts de Saraya, Salemata et Kédougou, l'éducation nationale pour le remplacement d'abris provisoires à Bantoko, Bofeto et Sabodala dans la région de Kédougou, l'énergie pour l'électrification rurale des villages de Mamakhouno, Sabodala, Bransan et Marina Bransan, le CEDEPS de Kédougou, le domaine agricole communautaire de Kédougou, la gendarmerie pour la construction de 3 casernes dans la région de Kédougou. Le gouvernement a également obtenu l'accord de principe de la société Sabodala pour écouler une partie de sa production d'or sur le marché local. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je vais conclure. Les réalisations que voilà font ressortir que, sous votre impulsion, Monsieur le Président de la République, le secteur minier est entré dans une dynamique sans précédent, à la fois en matière de production et de réforme. Cette dynamique sera maintenue et renforcée afin que ce secteur soit au rendez-vous de l'émergence. Je vous remercie de votre attention. Au nom d'entendre M. Ousmane Cissé, le directeur des mines et de la géologie. Monsieur le Président de la République, la troisième édition du CIM, c'est plus de 850 participants, 30 pays
présent, 85 structures exposantes, battant ici un record de participation par rapport à la précédente édition. Le Salon international des mines est co-organisé par le ministère des Mines et de l'Industrie en partenariat avec M-Trade. Et sur ce, nous invitons M. le directeur général Dan Koberman à venir au parloir pour son discours. Excellency, the President of the Republic, members of the government, honorable deputies, representatives of the diplomatic bodies and regional and international organizations, managing directors of mining companies, distinguished guests of all respected ranks and grades, ladies and gentlemen, welcome to SIM Senegal 2014. It is an absolute honor that I find myself again in front of everybody for the third edition of this event, which we've organized with the ministry since 2010. So I'd like to thank the Ministry of Industry and Mines and the government of the Republic of Senegal for having the confidence and for a long and fruitful partnership. We also recently, last year, at the end of last year, we opened up our West African headquarters in Dakar, Senegal, with 100% West African ECOWAS staff. So that's really helped us that year. So I'd like to thank my staff in Dakar, in London, and all our offices. SIM Senegal is an event which is very, very important in the region. It's a regional event. It's not just a Senegalese event. I'd like to welcome the delegations we've had from other neighboring countries such as Mali, Niger, Guinea-Bissau, Gambia, and Mauritania. But most of all, I'd like to thank our sponsors. Without our sponsors, we wouldn't be here. So I'd like to thank Grand Cote, Teranga Gold, Mincon, Mifaso, Toro Gold, CSTT, Rand Gold, IDC, IM Gold, ICS, Somiva, Dangote Group, Necotrans, CIM, ICM, Brussels Airlines. I'd like to especially to thank all the exhibitors, delegates, and participants who've come from all four corners of the globe. I'd also like to thank all the people who've helped during the event, all the Senegalese service providers. Everything we've done for the conference nearly has been made in Senegal or done in Senegal, which is of excellent quality. I'd like to thank also the press, both local and international, for their attendance. And I think it's very important that the press now give good stories of West Africa and that this conference went ahead. There's been a lot of conferences canceled in Africa recently due to obviously the Ebola pandemic, but now we're in Senegal, everything is fine. It's just as safe here as in London. So I think the press needs to say we met here and everything is good. I'd like to thank our media partners, all the journalists who've helped us through this, the students as well, and a very happy new year to everyone in Senegal for yesterday evening, Divuniti, and I wish all the participants a very, very successful event, and most of all, enjoy Dakar, enjoy being in Senegal, and we hope to see you for many years to come. Thank you very much. Dan Koberman. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent visualiser un cadeau. Un cadeau que le salon a bien voulu offrir à son Excellence, Monsieur le Président de la République. L'artiste Mohamed Ndir, récemment lauréat du concours sur la francophonie, à travers cette œuvre, a voulu mettre en exergue le secteur minier à travers ses différentes composantes multiformes et un maillon essentiel dans le processus de développement économique du Sénégal, car avec ses innombrables applications, il peut être un atout majeur dans le dispositif qui se met en place pour des lendemains meilleurs des citoyens, c'est-à-dire le plan Sénégal émergent.
Nous invitons Monsieur le ministre de l'Industrie et des Mines, Monsieur Aliou Ndiaye, à transmettre le cadeau à son Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal, Macky Sall. Merci beaucoup, Son Excellence Monsieur le Président de la République. Merci beaucoup aussi à Monsieur le ministre, Monsieur Aliou Ndiaye. Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, les représentants des organisations régionales et internationales, Monsieur le directeur des mines et de la géologie, Monsieur le directeur général de Amtrade, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et directeurs des sociétés minières, Mesdames, Messieurs les professionnels des mines et de la géologie, distingués invités, honorables participants, Mesdames et Messieurs. C'est avec plaisir que je préside ce matin la cérémonie d'ouverture de l'édition 2014 du Salon international des mines, événement désormais inscrit dans l'agenda du secteur minier africain et international. Je voudrais avant tout souhaiter la bienvenue aux participants et adresser mes remerciements aux représentants des pays amis, à nos partenaires institutionnels et aux acteurs du secteur privé venus nombreux répondre à notre invitation. Il y a maintenant 2 ans, lors de la 3e édition du Salon international des mines, CIM 2012, j'avais insisté sur le rôle du secteur minier dans la croissance économique globale et surtout sur son caractère d'outil de redistribution des revenus tirés de l'exploitation des ressources minérales. J'évoquais alors la nécessité d'un dialogue fécond pour partager nos expériences sur la manière d'utiliser la richesse minérale en vue de favoriser un développement inclusif et durable à travers notamment les programmes sociaux miniers qui doivent intégrer en priorité un volet productif lié directement à la création de richesses. C'est pourquoi la présente édition, qui a retenu pour thème le secteur minier, un moteur de croissance et de prospérité, s'inscrit en parfaite cohérence avec ma vision d'un Sénégal émergent à l'horizon 2035, avec une société solidaire dans un état de droit. Un des piliers de l'émergence, c'est d'abord une croissance forte et inclusive, fondement du progrès social durable. En raison de ses potentialités et de ses perspectives de développement, Monsieur le directeur des mines et de la géologie vient d'en faire la démonstration, le secteur des mines figure parmi les 6 secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent, devant permettre la réalisation de l'objectif de croissance de 7 à 8% à l'horizon fixé. C'est ainsi que de nombreuses orientations stratégiques, des objectifs et un calendrier précis ont été fixés pour chaque projet minier du plan Sénégal émergent. Vous avez pu le constater, il s'agit là d'objectifs ambitieux, mais largement à notre portée, dès lors que toutes les parties prenantes jouent pleinement leur rôle. J'attends de l'industrie minière un engagement sans faille pour nous permettre d'atteindre ces objectifs.
Mesdames et messieurs, la décision d'autoriser l'exploitation d'une ressource minérale est une décision stratégique majeure. En effet, il est question de ressources du sous-sol d'un pays, un patrimoine national appartenant aux générations actuelles et futures. Or, ces ressources, nous le savons, ont un caractère épuisable et leur exploitation procure bien sûr des richesses, mais provoque également une dégradation de l'environnement. Pour mesurer ainsi l'étendue des responsabilités publiques et privées dans l'optimisation de l'exploitation des ressources minières. Cela dans une prospérité partagée entre les investisseurs, les populations et l'État. Il s'agit à la fois de prendre en compte l'exigence de rentabilité des capitaux privés investis. Cela est indéniable, sans rentabilité, point d'investissement privé. Mais il y a également les impératifs économiques et sociaux du développement national. C'est cette préoccupation majeure qui fonde la directive de la CEDEAO de 2009 sur le secteur des mines. Elle constitue notamment le socle de la vision du régime minier 2050 de l'Afrique, qui inspire déjà celle du Sénégal. Mesdames et messieurs, le partage équitable des revenus, la meilleure prise en compte des intérêts des populations locales, la protection de l'environnement, l'avenir de la petite mine reste au centre des débats internationaux dans le domaine des mines. En témoigne le forum intergouvernemental sur l'exploitation minière qui vient de se tenir à Genève du 20 au 24 octobre 2014. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, qui publie des rapports annuels sur les pays membres, constitue aussi un autre instrument de veille sur les questions de transparence. Au Sénégal, je suis de très près les activités de la commission nationale mise en place, dirigée par le professeur Ismaël Major Fall, et qui a déjà réalisé un travail appréciable. Les discussions qui seront prochainement engagées aux Nations Unies sur l'agenda post-2015, accorderont, c'est certain, une place très importante à cette question. Et comme vous le constatez, la croissance, le développement et la transparence dans le secteur des mines est un sujet international de premier ordre. Et je suis sûr que la réunion du G20 qui se tiendra la semaine prochaine à Brisbane, apportera également des orientations nouvelles. C'est pourquoi je salue ici la pertinence et l'actualité du thème du présent salon, ainsi que la mobilisation remarquable des participants de renommée pour en débattre lors de cette rencontre. Dès lors, le gouvernement du Sénégal attend avec intérêt les conclusions de vos travaux. D'ores et déjà, je puis vous assurer qu'au Sénégal, l'État et les principaux acteurs ont mesuré à sa juste valeur les enjeux économiques et sociaux de l'exploitation minière. Et grâce aux concertations permanentes engagées avec la participation des populations et des collectivités locales, des progrès significatifs ont été enregistrés. Mesdames et messieurs, honorables participants, avec le plan Sénégal émergent, notre pays s'est résolument engagé
dans la voie d'un secteur minier moteur de croissance, créateur d'emplois et catalyseur de prospérité. La dynamique enclenchée devra être renforcée afin que ce secteur joue davantage un rôle prépondérant dans la réalisation des objectifs fixés pour une prospérité durable, facteur de bien-être des populations. Je compte ainsi sur la mobilisation totale de tous les acteurs du secteur. Et l'État, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour consolider dans le consensus, comme c'est déjà le cas avec plusieurs entreprises du secteur, le renouveau du secteur minier. Et je ne saurais clore mon propos sans féliciter le ministre Alingu Ndiaye, ministre de l'Industrie et des Mines, les organisateurs du salon, tous les partenaires, particulièrement la société Amtrade, mais je ne peux manquer de saluer le rôle des géologues sénégalais formés ici à l'Institut des sciences de la Terre. Je salue notre professeur et premier directeur de l'IST ici présent, professeur Ousseynou Dia, ainsi que son suivant, professeur Moussa Silla, et tous ces alumni que j'ai eu le plaisir de voir et qui sont aujourd'hui les dirigeants de toutes ces entreprises minières internationales sur notre pays. Cela est réconfortant et cela doit être renforcé. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le ministre, je vous ai demandé, dans le cadre du développement du secteur, que l'école soit renforcée en moyens pour que la formation soit davantage de qualité et qu'elle permette à notre pays, à la sous-région, de disposer de cadres valeureux capable d'accompagner l'activité internationale des mines et de la géologie dans notre sous-région. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la 3e édition du Salon international des mines et je vous remercie de votre aimable attention. Il s'agit aujourd'hui de discuter avec vous d'un secteur, du secteur minier comme un moteur de croissance et de prospérité. Le président de la République a eu la généreuse idée de lancer une réflexion. Il est revenu tout à l'heure sur le modèle pour un nouveau modèle de croissance et de développement. Cela a permis, après plusieurs gestes d'échange avec tous les acteurs, d'arriver aujourd'hui au plan Sénégal émergent qui constitue désormais le seul référentiel des politiques économiques et sociales à moyen et long terme. Cela veut dire pour vous, investisseurs, sur le Sénégal, le seul référentiel, c'est aujourd'hui le plan Sénégal émergent. Le secteur minier, le président de la République l'a rappelé tout à l'heure, fait partie des 6 secteurs prioritaires. Il participe pour 4,2% au PIB et c'est aujourd'hui 20% des exportations. Il participe aussi à la création d'emplois et à des effets induits sur le développement local. Nous avons d'importantes réserves, ça a été rappelé tout à l'heure, de fer, de phosphate, de minéraux lourds, d'or et je suis persuadé qu'il y a encore d'autres gisements. On parle de pétrole, je ne peux pas parler pour l'heure de pétrole, mais c'est dire qu'en tout cas les recherches continuent et le potentiel il est là. Nous avons quelques défis, quelques limites. Je pense que un des panélistes va revenir là-dessus, c'est M. Montagassi, directeur général de l'APIX. Il s'agit un peu de la faiblesse des infrastructures ferroviaires, portuaires, nécessaires à l'exploitation des gisements, de la gestion non optimale des partenariats stratégiques en général et bien sûr des lourdeurs administratives. Je pense que des efforts sont faits. Vous avez dû noter récemment les performances du Sénégal dans le doing business. Il y a aussi un manque d'investissement et d'encadrement adéquat des mines artisanales qui est avec un défaut à terme, en termes d'infrastructures de base technique, j'ai rappelé tout à l'heure. Le Sénégal a opté pour une politique transparente et a déjà adhéré à
l'initiative pour la transparence des infrastructures extractives. On est en train de mettre en place un cadre réglementaire permettant de contrôler et de réguler pour ce qui concerne l'orpaillage traditionnel, d'assurer un meilleur contrôle et d'améliorer les conditions sociales et de travail, de protéger aussi l'environnement, parce que cela est extrêmement important, et d'assurer la sécurité publique. C'est des questions sur lesquelles, effectivement, M. Camara, Miferso pourrait revenir là-dessus. Je rappelle les objectifs qu'on s'est fixés. Le président de la pluie est revenu tout à l'heure sur ces questions. Il s'agit essentiellement de produire 15 à 20 000 tonnes de minerai de fer. Comment? Pourquoi? Je pense que le directeur de Miferso pourrait revenir là-dessus. 2,5 millions de tonnes de phosphate et 3 millions de tonnes d'acide phosphorique. Je pense que les ICS ont déjà exposé leur plan. 17 tonnes d'or correspondant au triplement de la production et 90 tonnes de zircon. L'atteinte de ces objectifs nous permettra d'arriver à un meilleur équilibrage de la balance commerciale avec des effets d'entraînement sur le reste de l'économie, notamment en termes de ressources fiscales, de contributions au développement social, etc. En définitive, nous engageons le développement de l'industrie minière pour lequel le Sénégal se positionnera comme un centre de référence au niveau de la région. Le développement d'une filière fertilisant avec un champion national s'inscrit dans l'optique de relever durablement la productivité et les niveaux de production. Voilà un peu les questions que nous allons aborder. Donc, sans tarder, si vous le permettez, c'est vrai que nous avons débordé un peu sur l'heure, donc sur le temps. Je pense qu'au lieu de... On va peut-être rester encore ensemble pendant 30 à 45 minutes maximum pour permettre à l'autre panel de pouvoir démarrer. Je demanderai donc à M. Camara de Miferso de revenir un peu sur notre stratégie pour la gestion des minerais lourds, notamment du fer, dont il connaît bien. M. Camara, vous avez la parole. Merci, M. le ministre. Je vais d'abord pour le thème qui nous réunit. L'industrie minière, important moteur de croissance pour l'économie sénégalaise. Avant de l'aborder, de donner quelques exemples, deux exemples, plus que le temps est un peu serré pour nous, pour montrer que les mines ont toujours été des motrices de développement, surtout les mines de fer. Pour cela, je donnerai un exemple patent qui est à côté de chez nous, qui est la Mauritanie. Je crois que depuis la création de la Miferma, qui est devenue la SNIM, l'exploitation des mines de fer a contribué de manière très importante au bond industriel que la Mauritanie a fait depuis les indépendances. Je vais donner un autre exemple. Celui-ci est un exemple d'intégration. Et il n'est pas des moindres, c'est l'UE, l'Union européenne. Nous tous, nous savons aujourd'hui que si l'Europe est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce aux minerais de fer, entre autres le charbon. Parce que l'UE est partie de ce qu'on appelle la CECA, la communauté européenne du charbon et de l'acier, et qui avait un outil de financement qui s'appelait le crédit acheteur-fournisseur. Et c'est cette CECA-là qui a évolué en CE, je crois, en 1957, pour aboutir enfin à l'UE. Donc, je crois que c'est un exemple patent pour montrer que les mines sont des motrices de croissance, mais également les mines de fer contribuent réellement à la croissance d'un pays. Je vais, pour continuer, faire rapidement une présentation sommaire du projet des mines de fer du Sénégal oriental.
Je vais parler après des revenus qui seront attendus durant l'exploitation. Ces revenus sont d'ordre direct comme d'ordre indirect. Je vais de manière ramassée parler des impacts et effets avantages socio-économiques qui sont attendus. En effet, le projet d'exploitation des mines de fer de la Falémée, comme l'a si bien dit Monsieur le Président, est un des projets phares du PSE. Sa concrétisation est attendue à l'horizon 2018-2020. C'est un projet qui est complexe, qui demande des investissements extrêmement lourds et qui est composé d'une mine qui doit exploiter annuellement et en moyenne entre 12 et 15 millions de tonnes par an, qui peuvent évoluer jusqu'à 25 millions de tonnes. Le projet est composé d'une mine à ciel ouvert. Le traitement du minerai est très simple. C'est un concassage, lavage, débourbage. Et vous avez un minerai d'excellente qualité qui titre environ entre 62 et 65% de minerai de fer. Et il est composé de deux types, un minerai en morceaux et un minerai fin. Pour l'exportation de ce minerai, il nous faudra construire une ligne de chemin de fer qui sera longue d'environ 750 km qui partirait de la zone de la Falémée, Kédougou, pour aboutir à Bargny où un port minéralier et vraquier est attendu. Ce port sera un port d'une importance capitale parce que sera le premier port à tirant d'eau, moins 22 mètres au niveau de notre sous-région, sinon même au niveau de l'Afrique, et pourra recevoir des navires qui vont caler jusqu'à 350 TPL, c'est-à-dire tonnage du port à l'eau, 350 000 TPL. C'est un projet qui demande des investissements de l'ordre de 2,9 à 3 milliards de dollars. Et bon, c'est un projet également qui va contribuer beaucoup à la croissance du Sénégal. Et de ce fait, des revenus directs sont attendus. En fait, avec les cours du minerai de fer, c'est des recettes qui tournerait aux environs de 1 à 1,2 milliard de dollars par an. Et de ces recettes, l'État devra attendre des revenus directs qui sont dans la durée de vie du projet 25 ans, qui sont extensibles, mais pour les 25 ans, il est attendu au moins environ 3 milliards de dollars. Ces 3 milliards de dollars se décomposent en redevance minière, en partage de production, en dividende sur les 10% qui sont attendus par rapport au code minier actuel. Il y a également l'impôt sur les sociétés, il y a les salaires, les impôts sur les salaires, il y a également les parts d'appui institutionnel, il y a également le programme social minier. Il y a également des revenus indirects. Et ces revenus indirects sont surtout liés aux infrastructures ferroviaires et portuaires. Et ils seront de l'ordre de 2,2 milliards sur les 25 ans de durée de vie que la Convention permet. Il y a d'autres avantages économiques qui sont l'augmentation des réserves au niveau des changes qui est évaluée. Ces avantages sont évalués environ à 500 millions de dollars. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'effets d'impact attendus au niveau de l'exploitation des mines de fer de la Falémée. Et ces effets sont surtout liés aux infrastructures ferroviaires et portuaires. Il y a la création d'emplois directs et indirects qui sont de l'ordre de 4 000 pour les emplois directs et 16 000 pour les emplois indirects. Il y a le désenclavement de la région
de Kédougou, mais également il y a l'impact sur 8 régions, depuis Kédougou en passant par Tamba, par Kaffrine, la région de Kaolack, Fatick, Djourbel, Thiès, Dakar, parce que toutes ces régions sont impactées par les lignes de chemin de fer. Il y a également l'amélioration du niveau de vie des populations locales et l'injection de revenus très importants. Il y a également la facilitation d'autres d'exploitation d'autres ressources minières, telles que l'or, pas pour l'exportation de l'or, mais ne serait-ce que pour le transport des équipements qui seront utilisés pour la production de l'or, pour l'ensemble des sociétés qui vont naître dans le futur dans la région de Kédougou. Il y a également le développement de l'agriculture. Il y a le développement de l'élevage et du tourisme également. Vous savez que, par excellence, une ligne de chemin de fer permet de faire transporter des tonnages beaucoup plus lourds. Et on sait que dans cette région, il y a des potentialités agricoles très importantes, telles que le coton, les céréales, etc. Il y a également la production des phosphates au niveau des zones de Matam et autres. Et au niveau du port minéralier de Bargny, ce serait l'occasion de traiter d'autres produits en vrac, tels que les clinkers, tels que le ciment à l'exportation et d'autres produits également en vrac. Il y a la facilitation de l'intégration économique de la sous-région. Il y a le développement d'unités sidérurgiques parce qu'il est attendu pour ce projet des unités sidérurgiques qui peuvent être soit au niveau de la mine, soit au niveau du port, soit en milieu, au niveau de la région de Tambacounda. Et qui dit développement d'unités sidérurgiques parle de développement d'industrie lourde et donc développement industriel de manière générale. Tout ceci pour dire et pour démontrer que le projet d'exploitation des mines de fer du Sénégal oriental est un projet structurant et transversal. Il touche tous les secteurs de l'économie, le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Je l'ai dit tantôt, il y a également, le président l'a dit, le projet des mines de fer du Sénégal oriental fait partie des projets phares du plan Sénégal émergent. Et on attend du projet Miferso une importante contribution dans la croissance de l'économie sénégalaise. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Là, nous avons fait le tour de deux projets, mais vu sous l'aspect opérationnel, naturellement, tout cela a été rendu possible grâce quand même à un environnement des affaires sur lequel la PICS travaille admirablement bien, mais aussi dans l'accompagnement de projets. Vous avez parlé tout à l'heure d'exportation, vous avez parlé tout à l'heure de chemin de fer. Je pense que tout cela est dans le cadre d'un projet, dans le cadre de programmes, programmes sur lesquels nous travaillons beaucoup avec l'APICS. Je pense que le directeur général de l'APICS peut donner maintenant un peu les contours de ce qui est en train d'être fait pour permettre à nos, disons, aux mines, d'occuper réellement la place qui est la leur dans le plan Sénégal émergent. Monsieur Mountagassi, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je pense que il a été démontré que le secteur minier représente un levier important dans les axes du plan Sénégal émergent. À ce titre, je pense que l'un des projets phares a été
déroulé dans les détails par le DG de Miferso, donc à savoir le projet de la mine de fer de Falémé, avec un détail précis de ses trois composantes. Rappelons simplement que les différents moteurs de croissance qui sont identifiés dans le plan Sénégal Émergence, à savoir les 6 moteurs de croissance, dont 4 additionnels qui viennent donc s'ajouter aux 2 moteurs essentiellement qui ont tiré l'économie du Sénégal, donc les 4 moteurs additionnels, dont l'agriculture, l'énergie, donc nous comptons aussi donc les mines. À ce titre, on ne revient pas aussi sur l'importance du potentiel minier du Sénégal, donc dans à peu près 4 à 5 spéculations, donc à savoir le phosphate, le fer, le cuivre, le zircon et l'or. Nous allons simplement rappeler à peu près les statistiques qui justifient, dans un premier temps, l'importance de ce secteur et aussi qui justifient la perspective intéressante du secteur minier dans le dispositif du plan Sénégal émergent. Pour l'or non monétaire, qui occupe une place prépondérante dans les exportations du Sénégal, sa part est passée de moins de 1% en 2007 à 17,7% en 2012. Pour le ciment, dont le montant des exportations a doublé entre 2008 et 2012, passant respectivement de 55 milliards de francs CFA à 112 milliards de francs CFA. Je donne simplement des statistiques qui permettent de justifier les postulats du plan Sénégal émergent et derrière, comme l'a si bien indiqué donc le président, apporter maintenant les éléments de réforme nécessaires pour rendre l'environnement attractif, parce que simplement, rappelons que même si le doing business est intéressant, le doing business porte sur la façon de faire des affaires au Sénégal pour la petite et la moyenne entreprise. Quand on parle du secteur minier, on est dans un autre registre, même si le secteur minier tire en grande partie aussi la petite et la moyenne entreprise. Donc c'est là où vous comprendrez essentiellement l'articulation des réformes, c'est-à-dire qu'il y a 27 projets phares et 17 réformes phares. Dans les 17 réformes phares, pour la vague 1 du plan Sénégal émergent lancé en mai 2014, nous retrouvons donc 5 réformes phares, parmi lesquelles on retrouvera donc la réforme minière, qui fera certainement l'objet de nos discussions. Et à ce titre, au niveau de l'acide phosphorique, donc je reviens sur les statistiques, dont les exportations ont évolué en dents de scie, il représente quand même pour la période sous revue le troisième produit exporté avec une contribution moyenne de 11,1%. Et au regard du PIB, les activités extractives ont jusqu'ici une contribution relativement modeste, autour de 2,7% en 2012, et qui passe à 3,9%, donc 4%, comme l'a indiqué donc le président, avec un horizon encore beaucoup plus important vers 2018. Et ce niveau, d'ailleurs, devrait être dépassé avec la mise en œuvre de projets du plan Sénégal émergent, avec notamment le développement de la filière phosphate, grâce notamment à l'exploitation des gisements de phosphate de Matam et la production d'engrais, qui sont inscrits dans des projets du plan Sénégal émergent. Quand on parle de projet phare dans le plan Sénégal émergent, un projet phare est composé de plusieurs composantes de projets. Il y a aussi la relance du projet intégré du fer de la Falémé, donc je ne reviens pas dessus, avec ses 3 composantes principales, la mine, le chemin de fer et le port minéralier et vraquier de Bargny. Et aussi l'accélération de l'extraction de l'or dans la région de Kédougou et du zircon dans la Grande Côte. Il y a aussi la promotion de la mine artisanale pour en faire une véritable opportunité de développement social et économique. La réalisation de ces projets sera facilitée par la mise en place d'un véritable hub minier au Sénégal, hub minier qui s'appuierait sur des dispositifs de réforme pour lesquels donc, je vais apporter un détail plus loin. Et il est fort donc à parier que les industries extractives qui connaissent un nouvel essor au Sénégal constitueront à l'horizon du PSE un des moteurs les plus remarquables de la croissance économique. Et de façon indéniable, les industries minières posent un véritable défi de croissance économique et de développement durable, rendant urgente l'exploitation des opportunités d'investissement dans ce secteur. Et à ce niveau,
Il est important de remarquer aussi que le non-renouvellement des ressources, les déficits environnementaux, les défis environnementaux et les risques du syndrome hollandais, à savoir le phénomène économique qui lie l'exploitation des ressources minières et le déclin de l'industrie manufacturière, devraient être pris sérieusement en compte. Et à partir de 2012, je reviens simplement sur une statistique intéressante, il est observé que la croissance de la contribution des activités extractives s'accompagnera d'une baisse de celle des activités manufacturières. Et pour infléchir cette tendance et faire en sorte que les industries extractives aient le potentiel d'être transformatives pour l'économie sénégalaise, le développement du secteur minier doit s'accompagner d'un développement d'activités industrielles de transformation pour satisfaire les besoins des économies ouest-africaines. Et à ce prix, le Sénégal tirera un bénéfice de ses ressources qui, faudra-t-il le rappeler, dépend largement des politiques d'accueil de l'investisseur en constante amélioration, de la simplification des procédures administratives requises pour explorer et exploiter les ressources minières, surtout si l'on veut favoriser le développement des PME dans ce secteur, et du raccourcissement des délais d'instruction de demande de permis d'explorer et des permis d'exploration et d'exploitation. Alors, nous allons vers une amélioration significative de toutes les transactions liées au commerce transfrontalier, parce que l'industrie minière est la première industrie exportatrice du pays. Donc, on doit travailler essentiellement sur les leviers qui permettent d'améliorer la compétitivité des ports du Sénégal. Pour le moment, le port de Dakar est à venir dans la troisième composante du projet de fer de la Falémé, le port minéralier vraquier de Barnier. Donc, un défi majeur, c'est toutes les transactions liées au commerce transfrontalier, parce que l'industrie minière exporte pour à peu près 300 milliards de francs CFA. Le deuxième levier, c'est profiter du taux de nantissement des investissements qui est plafonné à 50 millions de francs CFA. Je pense que c'est un levier important pour inciter les investisseurs dans le domaine minier, parce qu'on parle de gros investisseurs. Et travailler aussi sur les axes de la justice commerciale, avec des approches non juridictionnelles, à savoir travailler vers l'intermédiation et aussi la mise en place de chambres d'arbitrage opérationnelles. Parce que simplement, on parle de gros investisseurs, nous pensons que l'approche juridictionnelle ne viendrait pas régler de ces gros soucis. Mais aussi, travailler de manière sérieuse sur ces chantiers pour éviter des projets qui sont retardés par des défis majeurs en termes de prospection et de négociation avec des grands investisseurs. Et aussi doter du Sénégal une expertise significative dans le domaine des partenariats publics-privés pour aborder une approche de gestion préventive des conflits. Parce que les investisseurs dans le domaine minier sont suffisamment bien outillés, s'accompagnent avec des avocats de renom et qui, s'ils négocient avec des administrations sénégalaises qui n'ont que leur bonne volonté, on va vers une dynamique qui orienterait le Sénégal vers des conflits et ça retarderait nos projets. Donc voilà ce que je voulais rappeler essentiellement. Je ne reviens pas sur les acquis du Doing Business qui apporte quand même un environnement des affaires qui s'est nettement amélioré donc, par rapport au classement précédent. Pour le secteur minier, on va au-delà de la petite et la moyenne entreprise, aller vers donc, des dispositions que je rappelle simplement, le commerce transfrontalier, l'industrie minière exporte pour 300 milliards de francs CFA, les taux de nantissement doivent être portés à profit pour les investisseurs dans le domaine minier, la justice commerciale est un défi majeur, et aussi doter le Sénégal d'une expertise avérée dans le domaine des partenariats publics et privés. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous allons peut-être prendre une première liste de trois intervenants. Trois. Quelques questions. Deux questions pour les industries chimiques du Sénégal. Et une question pour le directeur général de l'APIX. Et une question pour Miferso. La question pour le directeur général des industries chimiques du Sénégal procède de l'observation que nous avons des pays qui exploitent le phosphate
notamment le Maroc avec l'OCP, la Tunisie et peut-être des pays comme le Brésil. Nous nous rendons compte que ces pays ont une participation assez remarquable dans leur croissance par le fait des industries phosphatières, des industries de phosphate et la production d'acide phosphorique. Le cas de l'OCP est un cas assez remarquable, un exemple de croissance d'industrie qui est au niveau de la croissance un acteur majeur. Alors le Sénégal est assez riche en phosphate. On a vu les potentialités, mais également le Sénégal est actuellement d'ailleurs un pays assez expérimenté dans l'exploitation du phosphate et la production d'acide phosphorique. La question, c'est comment faire dans la perspective actuelle pour pouvoir impulser davantage et participer réellement à la croissance interne. Cette question est quasiment à l'image de ce qui se fait au Maroc, en Tunisie, au Brésil, etc. Comment le Sénégal a ce potentiel très important et qu'on ne sent peut-être pas assez la participation au niveau donc, de la croissance. Mais les ICS ne connaissent que beaucoup trop de crises. La deuxième question est peut-être même connexe. C'est pour la production d'engrais. L'usine de Mbao a une capacité de 150 000 tonnes. Nous avons compris que le business plan actuel parle de 500 000 tonnes. Mais pour un investissement peut-être à venir, mais je pense que pour les montants qui sont annoncés, à savoir 200 millions de dollars, je pense qu'il y a peut-être un problème. Mais sur 4 ans, est-ce que quelque chose est proposé pour pouvoir remettre l'usine d'engrais en production, éviter à ce paradoxe que le Sénégal, qui est très riche en phosphate et en acide phosphorique, importe de l'engrais. Ça voudrait dire que dans le business plan, la question, est-ce qu'il est prévu un renouvellement de l'usine d'engrais qui actuellement ne produit quasiment pas d'engrais parce que nous importons. C'était pour les industries chimiques du Sénégal. Pour M. Moutaga, on a parlé de lourdeur administrative. Bien, je pense que nous rendons compte tous qu'au niveau de l'Afrique, les investissements se font et il y a même une délocalisation des entreprises vers l'Afrique. Et nous nous rendons compte que le Sénégal est bien positionné, il peut capter les investissements, mais les efforts sont faits au niveau de la PIX, au niveau des démarches administratives, mais il y a d'autres lenteurs, d'autres lourdeurs qui font que, en fait, la porte qui est ouverte actuellement, si on ne prend garde, peut se fermer très rapidement et au bénéfice des pays comme limitrophes, je peux citer peut-être le Mali, qui vient de capter beaucoup d'investisseurs. Il y a les industries qui se créent un peu partout autour de nous. Et je pense que l'exemple de la Côte d'Ivoire est là, je pense, en termes d'allègement des procédures. C'est pour voir à peu près qu'est-ce qui est fait pour que très rapidement les investisseurs que nous ciblons puissent très rapidement pouvoir avoir leur place. Bon, sur Miferso, c'est le transport globalement qui pose problème. Et l'exploitation de la mine de fer, bien évidemment, je pense que peut-être dans le projet global, il faudrait peut-être qu'on fasse de sorte à ce que ce qui sera transporté sera des minéraux assez riches. Ça veut dire faire de la sidérurgie sur place, qui serait une quatrième composante du projet
fallait m'y intégrer. Je vous remercie. Remerciements aux organisateurs du salon qui ont bien voulu nous inviter. Je parle ici au nom de l'ITE, le Comité national pour l'initiative, de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, dont je suis le président. Et je voudrais aussi vous dire que pour l'avenir, après, nous sommes disponibles à jouer un rôle plus actif dans la tenue et l'animation du salon, si vous le désirez. On peut parler aussi de l'industrie minière dans une perspective utile, dans une perspective de transparence. Mais je voudrais surtout profiter de cette tribune qui nous est offerte pour dire que le Sénégal va produire deux rapports. Parce qu'actuellement, le Sénégal est un pays candidat. Donc, le pays va produire deux rapports pour être déclaré pays conforme. On va produire un rapport pour l'année 2012 et un rapport pour l'année 2013. Et je voudrais ici m'adresser aux entités déclarantes, que sont les entreprises minières, pour dire qu'à partir de la semaine prochaine, on va contacter les compagnies minières pour leur envoyer des formulaires à remplir. Et justement, je voudrais profiter de cette tribune pour vous informer et vous demander aussi de collaborer au mieux. Je vous remercie. Mon collègue Momad Ba, qui m'a posé deux questions, que je résume, comment notamment impulser davantage les ICS. Rapidement, je pense que nous venons juste de faire approuver par notre conseil d'administration le business plan, donc le plan d'affaires de l'entreprise. L'objectif, c'est de faire en sorte que, par rapport au niveau d'activité actuel, que dans les entre 3 et 5 ans, sur la base de l'ensemble des projets à mettre en œuvre, que le volume d'activité soit à peu près multiplié par 3. C'est l'objectif qui est dans le plan d'affaires. Évidemment, ce plan d'affaires, ça me permet, Momad, de lier les deux questions pour gagner du temps. Tu as parlé de l'OCP et de la Tunisie. Je voudrais juste dire quand même que dans le cas particulier de la Tunisie, au cours des 3 ou 4 dernières années, les ICS ont eu un niveau d'activité plus important que nos collègues tunisiens pour des raisons purement internes à la Tunisie. Et il est même arrivé que, ne pouvant pas charger des navires d'acide phosphorique, qu'ils nous demandent à nous de les faire à leur place. Donc, mais enfin, c'est une société très amie dont je ne veux pas trop parler. L'OCP également, nous avons d'excellentes relations avec l'OCP. Mais vous savez, chaque société a son histoire. Dans le cas de l'OCP, il y a eu des développements très importants au cours des 10 ou 15 dernières années. L'OCP a été particulièrement boosté depuis que le Maroc a acquis les phosphates du Sahara. Avant l'acquisition des phosphates du Sahara, l'OCP n'avait pas cette envergure-là. Mais je ne veux pas trop m'étendre sur ce sujet-là. Parlons du Sénégal et des ICS. Ce qui est important, c'est que sous l'autorité de l'État du Sénégal et avec les partenaires que nous venons d'avoir, je pense que les ICS connaîtront dans les années qui viennent des développements très importants. Je souligne quand même que les engagements qui ont été pris par les partenaires ont été scellés dans un document qui a été signé. Un comité de suivi a été mis en place qui comprend les représentants du ministère de l'Industrie, notre ministère de tutelle, le ministère de l'Économie et des Finances, et il y a un représentant de la présidence de la République. Donc ce comité de suivi se réunit tous les 3 mois pour faire le point. D'ailleurs, notre plus prochaine réunion est fixée au mois de décembre, ici à Dakar. Alors, s'agissant maintenant de la production d'engrais, d'une manière générale, je vous disais que les nouveaux partenaires veulent changer le plan d'affaires des ICS. D'une société qui exportait essentiellement de l'acide phosphorique, nos partenaires disent que si on continue sur le même mouvement d'affaires, même s'ils mettent beaucoup d'argent, une crise reviendra. Qu'ils peuvent atténuer parce qu'ils ont peut-être les moyens financiers de l'atténuer. Mais structurellement, ils disent, et je suis d'accord avec cette démarche, le gouvernement aussi, parce que des discussions ont eu lieu, il faut faire en sorte que structurellement,
la société soit viable. L'idée qu'ils ont, c'est qu'au lieu de continuer à exporter l'acide phosphorique en Inde, de transformer de plus en plus d'acide phosphorique sur place et donc d'accroître la valeur ajoutée, et d'être plutôt une société exportatrice d'engrais et de DAP, ainsi que des produits comme le SSP pour le Brésil et le MAP. Alors, s'agissant maintenant de l'engrais, aujourd'hui nous avons une usine qui est à Mbao, dont la capacité nominale est de 250 000 tonnes. Dans le plan d'affaires, cette usine sera spécialisée dans la production de DAP, 250 000 tonnes par an. Nous avons lancé un appel d'offres pour une autre usine d'acide phosphorique qui va faire 250 000 tonnes d'engrais NPK par an pour satisfaire les besoins de l'État du Sénégal et les besoins des pays environnants comme le Mali et demain la Côte d'Ivoire, le Bénin et d'autres pays. Alors, cela représente à peu près 500 000 tonnes. L'objectif est d'aller en réalité vers 1 million de tonnes d'engrais par an parce que c'est de cette manière-là que les IC tireront tous les bénéfices de la production de phosphate. Parce que le but ultime d'un producteur de phosphate, en réalité, c'est de produire des engrais et du DAP. Donc, on va aller jusqu'au bout de cette logique-là. Alors, je voudrais maintenant dire, concernant la consommation d'engrais dans notre pays, vous savez, la loi ne donne pas de monopole aux ICS. Quiconque veut importer des engrais, en fait, a la liberté d'importer. Et il n'y a aucune loi, à ma connaissance en tout cas, qui prohibe l'importation d'engrais. Nous, chaque année, nous discutons avec le ministère de l'Agriculture. Nous recevons des commandes que nous honorons. Mais il y a d'autres Sénégalais qui importent des engrais. Le seul regret que j'exprime en tant que, bien sûr, ICS et en tant que citoyen, c'est que normalement, dans la zone UEMOA, tous nos gouvernements interdisent les engrais nitratés. Malheureusement, les engrais qui sont importés comportent du nitrate. Bon, pour ceux qui ne savent pas, le nitrate attaque la nappe phréatique et est source de cancer. Vous savez que dans la plupart de nos pays, bon, les citadins peut-être ont accès à l'eau des robinets, mais nous avons encore des compatriotes qui boivent de l'eau des puits ou de marigots ou autres. Ces compatriotes-là sont des victimes potentielles de ces futurs cancers. C'est le danger lié à ces engrais nitratés qui, normalement, sont prohibés dans l'ensemble de la zone UEMOA. Bon. Mais donc, je voulais juste dire cela, mais les ICS sont disponibles et sont largement en mesure de satisfaire les besoins d'engrais exprimés par l'État du Sénégal. Dans mon propos, contextualisé par rapport au salon, au secteur minier, la simplification des procédures administratives, telles que je l'ai annoncé, c'est des procédures administratives requises pour explorer et exploiter les ressources minières. Donc ça fait référence au code minier, ça fait référence au code foncier, donc qui est plus lourd que votre projet, je reviendrai là-dessus. Donc en sachant que dans le code minier, même si la partie PME, PMI est intéressante, nous avons quand même de gros éléphants qui tirent les PME et les PMI. Donc si on ne fait pas avancer les gros éléphants, les PME vont stagner. Pour revenir à votre préoccupation personnelle, qui s'agit donc des parcs industriels, pour les projets de délocalisation d'entreprises chinoises, indiennes ou peu importe, ce qui a été fait, parce qu'en fait, la simplification des procédures administratives, c'est le premier des quatre axes du PREAC. Pour accélérer le process, il a été décidé d'octroyer au parc industriel un foncier de 50 hectares sur Diamniadio. Ce foncier de 50 hectares, pour encore aller vite, on a mis en place en fait, une équipe dédiée par l'APIX qui a procédé à la libération d'emprise des 50 hectares en une semaine, en impliquant donc les autorités territoriales. Ça s'est fait. Le foncier est aujourd'hui disponible depuis le 10 octobre pour son exploitation. Et derrière, pour faciliter la contractualisation avec le ministère de l'Industrie et des Mines et les investisseurs,
il a été décidé de procéder à l'extension de la zone économique spéciale intégrée qui s'adosse à l'aéroport international Blaise Diagne pour les 50 hectares. Ce projet de décret est en cours. Il doit être validé donc incessamment. Une fois que ce projet de décret est validé, donc le décret est déjà rédigé, vous aurez la possibilité, d'une part, vous pouvez le faire, donc exploiter le foncier, d'autre part, contractualiser avec donc les investisseurs potentiels qui tapent à la porte. Pourquoi on le dit ? Parce qu'il a été démontré, lors des différentes visites de son Excellence en Chine, qu'il y a une opportunité de délocalisation qui s'offre aux pays africains pour la Chine, et cette opportunité va durer que 3 ans. L'Éthiopie, le Rwanda et le Kenya en ont profité, et le Sénégal a de très bonnes dispositions pour le faire. Je pense que j'ai répondu à votre question. C'est tout juste pour lui dire, avec le ratio que nous avons, les niveaux de production, même si on va à 12 millions de tonnes, 15 millions, vous avez une production d'acier de 9 millions de tonnes, si on transporte tout. Donc, en tous les cas, on aura besoin d'une ligne de chemin de fer, parce que ça rentre dans le cadre du trafic lourd. Toutefois, il est prévu à peu près quelque chose comme 10 à 20% de la production qui sera transformée sur place. Comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas avoir un développement économique, un développement industriel si on n'a pas d'industrie lourde. Et on ne peut pas avoir une industrie lourde si on n'a pas une industrie sidérurgique, ça c'est clair. Donc il est tout à fait normal de transformer une partie de la production in situ, sur place. Mais ça ne peut pas se faire dans le cadre du premier projet, parce que les gens attendent d'abord d'amortir les premiers investissements qui sont excessivement lourds, 3 milliards de dollars. Donc, mais c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Hein. Pour Mme Fatou Gueye, je ne sais pas si vous avez des partenaires, vous êtes les bienvenus. Hein. En tout cas, si vous passez dans notre centre, vous verrez que nous sommes revenus d'Australie il n'y a pas longtemps. Nous avons visité la zone de Pilbara, la mine Woodjina. Nous avons un groupe australien qui frappe à nos portes. C'est un groupe de développeurs constitué par des développeurs miniers, infrastructurels, etc. Et nous sommes... Pardon ? C'est un groupe qui tournerait autour de BNT Resources, un groupe qui est dans Western Australie, à Perth. Si vous passez dans notre stand, vous aurez des informations beaucoup plus approfondies. Ismaël Madior a fait une contribution intéressante. Je pense qu'à l'avenir, effectivement, du fait de l'intérêt que le gouvernement porte à cette initiative, il est bon quand même que vous soyez associé beaucoup plus à des rencontres de cette nature. Tout comme je me fais aussi votre porte-voix pour demander aussi aux chefs d'entreprise, en tout cas ici présents, d'aider le comité dans cette souscription de déclaration volontaire. C'est vrai que vous auriez dû demander à Mme Thiam de vous prêter main forte avec les services du fisc, mais bon, on peut l'éviter pour cette année. Je suis désolé aussi pour, en tout cas, toutes les personnes qui auraient souhaité intervenir et qui n'ont pas pu. Le Sénégal a des atouts indéniables hein, en matière sur le plan minier. Je pense qu'aussi nous avons mis en place des perspectives intéressantes en termes d'investissement pour pouvoir exploiter la totalité de ces ressources et de la manière la plus transparente, c'est-à-dire que ces ressources puissent participer de manière effective au développement économique et social du pays. Le président de la République a rappelé tout à l'heure. Nous avons un plan, je pense que transparence ne peut aujourd'hui dépasser ce que le directeur général de Biferso vient de dire à madame qui a posé la question sur le fait que le Sénégal est en train de rechercher des partenaires. Je pense qu'il faut maintenant essayer de s'intégrer dans le schéma défini par le gouvernement du Sénégal, schéma en tout cas dont le gouvernement veut qu'il se rapproche au mieux des meilleurs standards internationaux. C'est ça le souhait du gouvernement, donc votre offre est la bienvenue, donc vous pouvez aller au niveau du stand et approfondir les discussions. Donc pour permettre à nos autres ministres d'aller rejoindre leurs collègues en charge de l'industrie, nous sommes tenus donc de déclarer la séance en tout cas close pour l'heure et de se retrouver tout à l'heure pour le deuxième panel. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre.
M. Georges Djemme, qui est inspecteur principal des douanes, chef du bureau contrôle après dédouanement à la Direction générale des douanes, qui va intervenir sur les dispositions du Code général des douanes en rapport avec le secteur minier. Et enfin, il y aura M. Abdou Aziz Ndiaye, qui est ingénieur géologue, maître assistant géologue, économie minière à l'Institut des sciences de la Terre, qui va parler des nouvelles approches et outils pour un secteur minier moteur de développement. Sans plus tarder, on va donner la parole à M. Ousmane Cissé, directeur des mines et de la géologie. M. Cissé, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, donc je voudrais déjà partager avec vous les axes principaux de cette réforme du code minier. Il s'agit d'expliquer donc le contexte qui a prévalu, les orientations stratégiques et les objectifs attendus par l'État du Sénégal par rapport à cette réforme. Tout d'abord, il faudra préciser que tout est parti du Conseil des ministres de Jugend Chor, qui coïncidait avec les 100 jours du gouvernement issu des élections de 2012. Et Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait, au cours d'une interview, à répondre à une question de journalistes demandant les retombées de l'industrie minière au Sénégal, les retombées économiques. Le président lui-même donc avait souhaité avoir beaucoup plus d'informations dans le secteur avant d'apporter une quelconque réponse par rapport à cette question pertinente des journalistes, mais également de beaucoup d'acteurs et surtout les acteurs sociaux, les organisations de la société civile et d'autres personnes directement ou indirectement intéressées par les opérations minières. Donc, il s'en est suivi la mise en place d'une commission de revue des conventions minières. Par arrêté, la commission donc étant constituée par l'ensemble des services de l'État qui ont un rapport avec l'industrie minière. Donc, des travaux ont été donc menés depuis le mois d'août 2012 jusqu'au mois de décembre. Et le 31 décembre de l'année 2012, nous avons eu à déposer le rapport sur la revue des conventions minières. Et cette revue des conventions minières n'était pas une revue des conventions minières uniquement l'évaluation des sociétés minières. C'était l'évaluation des parties au contrat. Et ces parties, c'est l'État du Sénégal et les sociétés minières. Donc, après avoir fait donc la revue de ces conventions et examiné les droits, les obligations des différentes parties, il s'en est suivi donc une série de recommandations, et l'une des recommandations de la commission de revue des conventions au mois de décembre 2012, c'était de procéder à la révision du code minier. Je puis même dire que l'ensemble des recommandations de la convention, de la commission, toutes les recommandations ont été retenues et des instructions avaient été données pour la mise en œuvre de toutes ces recommandations. Je dois dire que l'exemple, par exemple, de l'orpaillage, qui par la suite, entre-temps, a été réglementé avec l'arrêté définissant les couloirs d'orpaillage, la carte d'orpaillage. La semaine prochaine, à part du 10, une mission de la direction de l'automatisation du fichier de la direction des mines et de la géologie. Nous allons utiliser la base de données nationale des cartes nationales d'identité et élaborer gratuitement des cartes d'identité à tous les orpailleurs qui sont sénégalais, et établir de même temps des cartes sécurisées comme les cartes d'identité pour servir de cartes d'orpailleurs. Nous avons défini les couloirs. Récemment, un arrêté a été pris pour définir les modalités d'exercice du commerce de métaux précieux et de pierres précieuses, les comptoirs. Donc, il y a plusieurs recommandations dans le rapport. Et la recommandation donc portant sur la réforme du code minier a
a été faite et acceptée. Donc, en application donc des directives de M. le Président de la République, un arrêté a été pris. Un arrêté pour mettre en place un comité intragouvernemental pour réfléchir sur la base des recommandations et de la revue qui avait été faite pour proposer des axes de réforme et des orientations majeures qui devraient permettre de prendre en compte, d'une part, les intérêts stratégiques et financiers de l'État, de l'économie des populations, mais de l'autre, les intérêts des sociétés minières. Donc, il s'agit à partir de cette taxe principale, tout en gardant le caractère compétitif du code minier actuel, qui quand même a permis l'arrivée massive d'investisseurs dans le secteur des mines, de revoir les rapports entre l'État et les sociétés minières en termes de retombées économiques et de garantie des intérêts de l'État. Je ne vais pas revenir sur les recommandations ou bien les résultats économiques de cette évaluation, parce que les chiffres ont été présentés lors d'un atelier qui a été un atelier au cours duquel tous les acteurs étaient présents, est largement publié et il y a beaucoup donc d'acteurs dans le secteur des mines qui reprennent les chiffres. C'est ce qu'on a considéré comme étant un manque à gagner de l'État dans l'industrie minière. Il s'y ajoute que, comme vous l'avez bien noté ce matin, et pour ceux qui suivent l'actualité au Sénégal, nous avons le plan Sénégal émergent. Dans le cadre du plan Sénégal émergent, l'un des six secteurs d'activité ou les projets du secteur des mines portent sur la réforme du code minier. Le plan Sénégal émergent, donc, confirme cette orientation majeure de l'État qu'il s'agit donc de réformer le code minier en prenant en charge les intérêts des différentes parties. Les orientations essentielles donc sont pour de la réforme. Il faut qu'il y ait une stabilité qui soit garantie, une stabilité fiscale, qu'il y ait un cadre donc attractif, un cadre fiscal stable, attractif, mais également une meilleure prise en compte des intérêts de l'État du Sénégal. Ce matin, Monsieur le Président de la République a eu à indiquer la décision consistant à octroyer des titres miniers et surtout les titres d'exploitation est une décision importante parce que pour des générations actuelles, on confie l'exploitation d'une ressource qui appartient à la fois à des générations actuelles et futures. Cette décision qui doit être prise devrait reposer sur un cadre ou bien un cadre contractuel qui puisse garantir pour les générations actuelles comme pour les générations futures une juste rémunération, mais également une durabilité fondée sur l'exploitation de ressources qui ne sont pas pérennes. L'objectif, donc l'ambition majeure de l'État du Sénégal, c'est de garantir ce cadre fiscal qui est stable et attractif, mais qui va de pair avec la sauvegarde des intérêts de l'État du Sénégal. Voilà la trame de fond donc, de cet exercice. Et cette réforme reposera sur cinq parties, cinq grands chapitres que vous pouvez retrouver dans le document du PSE. Il s'agirait de réviser le cadre fiscal pour les projets d'exploitation minière, avec notamment la hausse modérée de la redevance, avec la société Sabodala Gold Operation. Au mois de l'année 2013, on a rediscuté les dispositions fiscales de la convention minière, et également en prenant comme opportunité l'acquisition du gisement de Goloma, qui appartenait précédemment à Oromine. La redevance minière
qui est légalement de 3% dans le code minier, a été donc revu à la hausse autour de 5%. Ce qui fait que, rien que pour le projet Sabodala, nous avons eu à observer que depuis la renégociation de cette convention en 2013 à maintenant, les redevances minières uniquement pour ce projet ont évolué du simple à 8 fois le montant. Et nous allons utiliser SGO, le projet Sabodala, comme étant un modèle pour toutes les conventions à venir. Aussi, l'une des descriptions de la réforme, c'est qu'il y ait une indexation de la redevance sur le cours des minerais. Nous sommes dans le cadre, l'esprit et la discussion devraient tourner pour voir que l'industrie minière, l'activité minière, ne soit pas uniquement une activité d'extraction. L'activité d'extraction étant une activité fondamentale, mais qui devrait se situer au bas de l'échelle, mais qu'on puisse développer, transformer, augmenter de la valeur. Et au fur et à mesure que cette transformation et cette augmentation de la valeur se poursuit, qu'il y ait une indexation de la redevance par rapport à ce niveau de transformation. C'est des pistes de réflexion. Mais également, on devrait conserver l'attractivité du secteur et en arriver à ce que, oui, il faut octroyer des permis pour encourager la recherche, mais il faut éviter qu'il y ait des rétentions abusives de périmètres qui empêcheraient à d'autres qui ont des moyens de travailler. C'est pourquoi, également, il a été, dans cette réforme, agité l'idée de la réintroduction des droits superficiels et également tout ce qui est partage de ressources entre miniers et État du Sénégal. C'est pourquoi le deuxième aspect de la réforme, c'est pour arrêter les spéculations. En tout cas, limiter les dégâts liés aux spéculations et en arriver donc à ce qu'il y ait des périmètres, oui, qui sont octroyés, mais en stimulant la prospection et la recherche, qu'on en arrive à avoir donc d'autres qui puissent avoir accès aux périmètres et aux zones potentiellement riches. Tout à l'heure, quand nous faisions déjà le tour des stands, le problème de la promotion des biens et des services est revenu. Il y a beaucoup de Sénégalais, d'investisseurs privés nationaux qui s'intéressent au secteur des mines, mais qui se trouvent un peu bloqués du fait des difficultés d'accès au marché ou bien dans l'approvisionnement de biens et services. Et c'est une question qui est récurrente aussi bien au niveau de l'industrie qu'au niveau des autres acteurs. Et ce qui est absent dans notre code minier, parce que le code minier parle de sous-traitants, le titulaire du titre a le libre choix des sous-traitants, mais la réalité des choses, le salon de 2012 a eu à nous montrer que sur 600 milliards de chiffres d'affaires réalisés dans la période 2007-2012, sur 5 années, 600 milliards réalisés, seuls moins de 30% ont été consommés sur le plan local par des sociétés de sous-traitants. Et ces 30% consommés sur le plan local, les 80% l'ont été du fait des industries chimiques du Sénégal. Les ISS étaient la presque principale source d'approvisionnement des PME locales en matière de fourniture de biens et de services. Donc, globalement, si on fait l'analyse du point de vue du capital investi, des déclarations peuvent être faites pour dire un projet X va dépenser 800 000 milliards. C'est vrai, mais c'est environ peut-être 100 milliards qui vont rester au Sénégal, mais les 800 à 900 milliards seront en matériel et engins qui vont arriver dans ce pays.
mais c'est les économies des pays déjà qui ont la forte capacité en fourniture de biens et de services qui vont capter ces 900 à 800 milliards dans leur pays et tous les achats vont se faire là-bas. Le Sénégal, certes, va comptabiliser que le projet-là aura coûté 1000 milliards, mais en réalité, effectivement, les sous-traitants locaux n'auront perçu que peut-être que 100 milliards et c'est terminé. C'est ce qui fait que la plupart du temps, les gens disent que oui, on ne voit rien. C'est la phrase la plus partagée dans le secteur, on ne voit rien. Les sous-traitants disent on ne voit rien, les populations disent on ne voit rien, d'autres diront on ne voit rien. Donc, essayez donc, à travers la promotion des services et des biens et les emplois locaux, via l'intégration de règles de contenu local, c'est des pistes de réflexion. Quatrième piste de réflexion, c'est l'intégration d'un cadre réglementaire spécifique à l'activité d'orpaillage, avec notamment donc, la définition d'un statut légal, parce que dans le code minier actuel, l'orpaillage pose un problème. On a la petite mine, l'artisanat minier, mais les populations qui pratiquent l'orpaillage. Vous avez vu récemment les conflits entre des citoyens de l'espace CDAO, non sénégalais, donc qui ont amené des morts d'hommes. Et tout récemment, à Harakhene, on a appris également que des citoyens de la CDAO ont été engloutis par des forces dans des fosses d'orpaillage. Il nous faut arriver à régler cette question, et cette question était absente dans le code minier, donc proposer des axes de réflexion. Le dernier point de description de cette réforme, le Sénégal est dans un espace. Il y a au moins CDAO. Donc, en arriver à ce qu'il y ait une cohérence et une harmonisation des directives sous-régionales, régionales, l'UOMOA, la CDAO, la vision minière 2050 de l'Union africaine. Mais sur le plan interne, arriver à harmoniser également les dispositions du code minier et celles du code de l'environnement, du code forestier, parce que comme vous le savez, il y a des difficultés d'application de ces différents codes quand il s'agit de l'industrie minière. La plupart du temps, comme on le dit souvent, on ne peut pas accéder au sous-sol sans passer par le sol. Le sol fait l'objet de plusieurs intérêts, de plusieurs activités économiques, et il y a un arbitrage à faire. Et la plupart du temps, c'est un arbitrage difficile quand l'exploitation ou l'opération minière se déroule dans des zones comme étant des forêts classées, aux voisinages des parcs, aux voisinages de zones qui sont d'une sensibilité écologique importante. Et voilà la description de la réforme. Et nous comptons, après que la commission qui est interne a travaillé et déposé ce rapport sur la table donc, du ministre de l'Industrie et des Mines à partager par le gouvernement du Sénégal, dans le premier semestre de l'année 2015, compte donc qu'il y ait une publication de la version définitive d'un code qui sera partagé avec l'ensemble des acteurs. Et avant de terminer, je voudrais préciser que il n'y a pas un code minier en circulation. C'est des appréhensions. En tant que service technique, nous travaillons pour une institution et à un moment donné, l'institution partagera cette information avec l'ensemble des acteurs. Il n'existe pas un code minier qui a été partagé avec des sociétés minières et caché à la société civile. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune société minière qui peut vous montrer un exemplaire d'un code minier qui a été communiqué pour être partagé. Ça n'existe pas. Et je voudrais, à ce moment précis, rappeler aux organisations de la société civile que l'esprit dans lequel nous sommes depuis sera maintenu. Nous avons pour tous les projets, toutes les initiatives, toutes les activités associées à la société civile. Ce n'est pas encore le moment, parce que ce n'est pas un document qui est même partagé avec les principaux acteurs, c'est-à-dire les compagnies minières, avant même de faire circuler. L'État a demandé à ses fonctionnaires de réfléchir sur la base d'un rapport qui a été fini. Les fonctionnaires ont réfléchi. Le rapport est entre les mains
de nos employeurs. C'est à partir de ce moment que maintenant, tout le document va être peut-être partagé avec l'industrie minière, la société civile. Je puis même dire à toute personne qui pense pouvoir donner un plus positif donc, à cette activité. En tout cas, pour ce qui concerne la commission qui avait été installée, nous avons terminé nos travaux depuis le 7 août 2014 et nous attendons la suite du côté du gouvernement de la République du Sénégal. Donc voilà les quelques éléments que je voudrais apporter. Je vous remercie. Combien importante. Et sans plus tarder, on va donner la parole à M. Amadou Abdoulaye Badiane de la direction des impôts. Son allocution, M. Badiane, vous avez la parole. Les innovations contenues dans le code général des impôts en rapport avec le secteur minier. Avec en exergue deux lois importantes, la loi numéro 2012-31 qui a refondu le code général des impôts et une autre loi qui intéresse un peu le secteur minier, c'est la loi 2012-32 qui a rapatrié un peu les dispositions dérogatoires qui étaient contenues dans les dans plusieurs dispositions. À titre de rappel, on trouvait vraiment dans le paysage fiscal pratiquement une trentaine de codes ou de textes qui parlaient de fiscalité. Et ce qui a été fait en 2013, c'est de revoir toute cette fiscalité et de faire du code général des impôts un siège unique de toutes les dispositions fiscales. Alors, l'objectif, c'était quoi? C'était de mettre en place ce qu'on appelle, en termes de standards internationaux, le droit commun fiscal incitatif, alors auquel seraient soumis aujourd'hui tous les contribuables, quel que soit le secteur, quelle que soit l'activité. Mais compte tenu de ce que M. Cissé a dit, et la particularité du secteur minier, il y a eu des aménagements qui ont été faits pour ce secteur, pour en tout cas tenir compte des spécificités de ce secteur. Alors, quelle est la justification de ce droit commun incitatif? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le paysage fiscal était caractérisé par une complexité, vraiment beaucoup de dispositions qu'on trouvait un peu partout. Donc, pour un secteur, on pouvait aller naviguer entre plusieurs textes. Donc, il fallait un peu revoir ce dispositif et le rationaliser. Le système fiscal était également, en tout cas, marqué par une iniquité. Et in fine, et c'est là le rôle principal d'un système fiscal, son efficacité était très relative en termes de mobilisation de ressources. Et on l'a remarqué, notamment dans le cadre du secteur minier. Alors, donc, la justification de cette réforme, c'était de mettre en place un dispositif fiscal qui répondait un peu aux standards internationaux en termes de normes, mais avec comme objectif principal une fiscalité simple, équitable et efficace. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, comme tout système fiscal, sa première fonction, c'est une fonction financière, c'est également d'être un vecteur de mobilisation des ressources fiscales, notamment dans le contexte du PSE. Alors, quelle est l'approche stratégique du droit commun incitatif? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit commun incitatif peut être défini comme l'ensemble des normes qui seront applicables à tous les contribuables, quel que soit le secteur. Alors, ces normes doivent être inscrites dans un seul document qui s'appelle le Code général des impôts. Elles doivent être économiquement attractives, donc il n'y a plus maintenant de secteur à particulariser, et socialement acceptables. Et la démarche ici a consisté à rapatrier dans le Code général des impôts, qui va être le référentiel unique, toutes ces dispositions qui étaient contenues dans des divers textes, comme je l'ai dit tout à l'heure, une trentaine de textes dans lesquels on trouvait des dispositions fiscales. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Code général des impôts siège unique de toutes les dispositions avantageuses. Donc aujourd'hui, on ne doit pas retrouver, sauf quelques exceptions, on ne doit pas retrouver dans un texte autre que le Code général des impôts des dispositions avantageuses pour tel ou tel secteur. Alors, qu'est-ce qui a été fait concrètement? On a transposé, pour la plupart des cas, à droit constant, donc on a juste fait d'extirper la disposition fiscale qui était contenue dans un texte et la ramener au Code général des impôts. Mais par contre, pour certains régimes, et notamment, on le verra dans le cadre minier, il y a eu une rationalisation. Une rationalisation, c'est, comme l'a dit Ousmane, les intérêts de l'État ont été, en tout cas, revus pour une meilleure garantie, en tout cas, en termes de mobilisation de ressources. C'est le lieu de rappeler ici que tout cela n'est pas sorti du néant. Il y a eu, en 2011 et 2012, des rapports sur les dépenses fiscales
qui avait montré, notamment les rapports 2008 et 2009, qui avait montré que l'État était dans certains cas très généreux. Je rappelle un peu le débat qu'il y a eu pendant ces dernières années où on disait que dans le secteur minier, il y avait 400 milliards d'exonération. 400 milliards, ça représente aujourd'hui la moitié des recettes fiscales du Sénégal. En matière de droit d'enseignement, les innovations sont relatives un peu aux opérations de fusion, où il y a une exonération du droit d'abord, au lieu qui était auparavant taxé à 0,5%, et pour ce qui est du droit d'apport majoré, il a été ramené à 3% au lieu de 5%. En matière de procédure, le droit commun incitatif également, il y a des choses qui ont été faites. C'est une simplification des procédures pour minimiser les coûts de respect des règles fiscales. Je pense que je parle un peu en mettant en rapport avec l'actualité du business, où quand même je crois que les progrès du Sénégal ont été salués. Et une des mesures qui ont permis c'est bon, il y a également en matière de procédures, notamment de paiement ou de déclaration, qui ont été mises en œuvre dans l'actuelle professionnalisation. Alors, telle procédure, contrôle fiscal de comptabiliser informatisé. En matière également de contentieux fiscal, il y a un domaine qui a été très 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 visité, c'est la mise en place de ce qu'on appelle des règles de rescrit fiscal. Et en matière de prix de transfert, qui est important parce que la plupart des entreprises minières sont des entreprises multinationales, il y a ce qu'on appelle les APP, les accords préalables de prix, qui ont été institués par le nouveau dispositif. Et enfin, on a renforcé les garanties accordées aux contribuables de manière générale. Alors, quels sont les aménagements? Là, la partie que je viens de traiter parle du droit commun incitatif. Tous les secteurs peuvent en bénéficier, qu'on soit secteur de la pêche, secteur du tourisme, secteur, quel que soit le secteur. Donc, mais à côté, même si on n'a pas transposé à droit constant, mais à côté, compte tenu de la spécificité du secteur, et en tout cas de la volonté des pouvoirs publics de faire, je crois qu'Ousmane l'a rappelé tout à l'heure, ça fait partie des projets phares du PSE. Compte tenu de cette volonté, il y a eu des aménagements qui ont été faits. Donc, on a conservé quelques exonérations quand même pour ce qui est du secteur. Et ces exonérations dépendent de la phase dans laquelle le projet est. C'est la phase de recherche ou la phase d'investissement ou la phase d'exploitation. Alors, pour ce qui est de la phase de recherche, il n'y a pas eu de grand changement. On a transposé pratiquement à droit constant. Donc, exonération de TVA qui frappe les acquisitions de biens et services, exonération de la patente, exonération des contributions foncières ou non foncières, la contribution foncière pour les propriétaires de bâtis, à l'exclusion simplement des bâtiments et des habitations. Exonération également de la contribution forfaitaire, de l'impôt du minimum forfaitaire et de l'impôt sur les revenus de créance. Pour ce qui concerne la phase d'investissement, la nouveauté par rapport à l'ancien dispositif qui était dans le code minier, c'est qu'on a supprimé l'exonération de TVA, mais on l'a remplacé par un régime de suspension de TVA. On a également maintenu l'exonération de la patente et l'exonération des contributions foncières et celle de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs. Alors, pour ce qui est de la phase d'exploitation, là également, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de transposition en droit constant. L'exonération d'IS qui était accordée en phase d'exploitation a été supprimé et remplacé par le crédit d'impôt qui est prévu dans le cadre du droit commun incitatif. Le thème qui nous a été proposé pour vous entretenir pendant quelques minutes est les dispositifs du code des douanes en rapport avec le secteur minier. C'est la proposition du comité d'organisation qui a été faite au niveau de la direction générale des douanes, certainement comme ils l'ont demandé, dans le cadre de la réforme du code général des impôts. Mais si on s'en tient exclusivement à la présentation actuelle sur le thème tel qu'il est proposé, je pouvais répondre par une seule phrase. Il n'y a aucune disposition fiscale dans le code des douanes qui organise le secteur minier. Aucune. Parcourrez le code des douanes de la première page à la dernière page, vous n'allez pas trouver une disposition fiscale qui organise le secteur minier. Donc, si j'étais en classe, je me limite à cette phrase et j'espère que j'aurai au moins 18 professeurs, n'est-ce pas? Mais comme on n'est pas encore en classe, nous aimons toujours faire quelques exercices intellectuels. Je vais utiliser donc le langage douanier pour faire ce que l'on appelle le transbordement.
Donc je vais quitter le dispositif qui contient dans le code des douanes, comme il n'y en a pas, pour essayer de trouver dans d'autres dispositifs, est-ce que je ne vais pas trouver quelque chose qui concerne la douane et qui régit le secteur minier. Et c'est ça qui va être l'exercice que, sur lequel je vais essayer de réfléchir pour pouvoir espérer au moins obtenir cette fois-ci 10 sur 20, si tout se passe bien. Alors pour cela, nous allons faire un petit bref, une petite introduction sur laquelle nous allons examiner dans un premier temps le dispositif douanier, non seulement contenu dans le code des douanes, mais plus particulièrement dans le code minier lui-même. Nous allons examiner également l'étendue de ces avantages, les limites de ces avantages douaniers, et terminer par une toute petite conclusion avec quelques recommandations. Apparemment. En guise d'introduction, donc je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait aucune disposition dans le code des douanes qui régit le secteur minier. Cela se justifie tout simplement par le fait que depuis l'avènement du tarif extérieur commun de l'UEMO, les États membres ont transféré donc aux organes de l'Union la compétence de légiférer en matière de fiscalité de porte. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que les États membres aujourd'hui n'ont plus la compétence de légiférer en matière fiscale, en matière de fiscalité de porte, sur quelque matière que ce soit. C'est pour cette raison, effectivement, que vous n'allez pas trouver ces dispositions dans le code des douanes. Ensuite, c'est pourquoi le sujet qui nous a été proposé ne peut être traité au cas où nous nous limitons exclusivement sur le dispositif contenu dans le code des douanes, car il n'en existe pas en réalité. Toutefois, le transfert de cette compétence ne signifie pas que l'État n'a plus aucun moyen juridique de légiférer en matière de franchise douanière. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est de pouvoir légiférer dans cette matière, mais dans le cadre du code des douanes. Mais l'État peut effectivement le faire à partir des mesures dérogatoires à travers un autre texte de loi. En effet, si on parcourt un peu les dispositifs de la loi numéro 2014-10 du 28 février 2014 portant code des douanes, l'article 260 qui consacre les franchises douanières dispose en son alinéa G que l'importation en franchise des droits et taxes peut être autorisée en faveur des matériels acquis dans le cadre d'autres textes légaux liés à l'investissement ou au développement d'un secteur d'activité économique, culturelle ou sociale. Donc, vous voyez que l'État a un dispositif qui lui permet de légiférer à travers un autre texte de loi qui lui permettra d'organiser un secteur d'activité bien précis. À cet effet, donc pour régir l'activité minière, le code des douanes renvoie à un autre texte de loi qui constitue en l'espèce la loi numéro 2336 du 24 novembre 2003 portant code des mines. Il convient à présent d'examiner son dispositif douanier, l'étendue de ses avantages ainsi que quelques recommandations. Le dispositif douanier du code minier. Le code minier consacre essentiellement deux avantages douaniers, l'exonération et le régime de l'admission temporaire. Que renferme chacune de ces notions? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Le premier, qui est le principe de l'exonération. Donc l'exonération est le régime de mise à la consommation au Sénégal d'une marchandise sans acquitter totalement ou bien partiellement les droits et taxes exigibles au cordon douanier. Mais dans le cadre du code minier, l'exonération est partielle car les prélèvements communautaires qu'on appelle le PCS et le PCC ainsi que la redevance statistique restent exigibles. Donc on n'est pas dans le cadre d'une exonération totale. Par contre, le régime de l'admission temporaire,
c'est le régime qui, cette fois-ci, n'exonère pas, mais suspend l'ensemble des droits et taxes exigibles au cordon douanier durant un délai n'excédant pas 12 mois avec possibilité de renouvellement dûment justifié. Et en examinant de près ce dispositif, on se rend compte que ce régime est accordé aux marchandises susceptibles d'être exportées ou cédées à la fin du délai imparti. Souvent, c'est des délais qui n'excèdent pas 12 mois et qui c'est des marchandises qui viennent séjourner dans le territoire sénégalais pour une période précise qui est susceptible d'être exportée ou cédée au bout d'un mois. Et c'est pour cette raison que souvent, on ne taxe pas ces genres de produits et qui bénéficient de ce régime qui est également consacré au niveau du code minier. Donc, si on voit aujourd'hui ces deux principes, en principe, qui sont l'exonération et l'admission temporaire, on va voir ça s'étend jusqu'à quel niveau. Elle s'étend, donc cette exonération s'étend aussi bien sur les biens et équipements et sur les personnes physiques et morales. Si on regarde sur les biens, c'est toujours le code qui parle, hein, c'est pas moi. Il dit l'exonération des droits et taxes, droits de douane et TVA et COSEC porte sur, regardez bien également le style rédactionnel de ce code. C'est là où il va y avoir quelques petites difficultés. Les matériels, les matériaux, les fournitures, les machines, les engins et équipements, véhicules utilitaires, les pièces de rechange, les produits et matières consommables. Il y a beaucoup de mots qui sont plus ou moins génériques. Je reviendrai un peu là-dessus, sur ces limites. Vous avez également le carburant et les lubrifiants, les produits pétroliers, les parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements. Ça, c'est l'article 59 du code lui-même qui le dit. Comment ça se traduit sur les personnes physiques et morales? Cette exonération s'étend également sur les effets et objets du personnel étranger des sociétés minières si l'importation s'est faite dans les 6 mois suivant leur arrivée au Sénégal. C'est l'article 60 qui le précise. Cela veut dire quoi? S'il y a une société minière qui vient d'être agréée au Sénégal, qui bénéficie de ces conventions, qui a du personnel expatrié qui vient avec ses effets personnels, effectivement, dans les 6 mois de ces premières installations, ces effets peuvent bénéficier du régime de l'exonération. Cette exonération est aussi accordée non seulement à la société bénéficiaire du permis de recherche ou de la concession minière, mais elle s'étend aussi, comme l'a dit tout à l'heure le directeur, à toutes ces sociétés sous-traitantes ayant reçu l'approbation du ministre chargé des mines. Donc, si vous regardez de très près, vous vous rendrez compte que nous sommes face à un dispositif très étendu qui porte sur des biens, sur des personnes physiques et sur des personnes morales. Parce que les sociétés sous-traitantes sont des personnes morales. Alors, quelles sont les conséquences de tout cela? Nous allons en examiner un peu les limites. Ce que j'ai pu constater en premier cas, c'est d'abord sur les limites rédactionnelles. Je l'ai examiné tout à l'heure. Si vous regardez les termes de l'article 59, qui dit l'exonération porte sur les matériels, sur les matériaux, sur les fournitures, sur les produits, sur les matières, même sur les consommables, on se rend compte en quelque sorte que pratiquement tout matériel importé par une société minière régulièrement peut bénéficier du principe de l'exonération. Et si on examine également au fond dans la loi, on rend compte qu'il n'y a aucune limitation quantitative qui est posée. Ça cause problème un peu pour les administrations douanières que nous sommes. Donc, ainsi rédigé, c'est comme si l'entreprise minière vraiment est libre d'importer et en quantité et en espèces ce qui lui est loisible. Parce que, à cause, effectivement, c'est pas illégal, c'est très légal, mais c'est parce que, tout simplement, la loi est rédigée de telle sorte que il y a des mots qui, sur lesquels on ne peut pas se baser pour pouvoir rejeter certains aspects. Alors, le fait de cette ouverture large va effectivement avoir des conséquences sur les recettes budgétaires. Nous l'avons certainement, le directeur l'avait évoqué tout à l'heure.
Il s'agit ici donc d'examiner pour nous quelques moyens valuants, c'est les manques à gagner ou encore quelques dépenses fiscales pour le compte de l'État, engendrées par la mise en œuvre du code minier au cours des 3 dernières années, par exemple. Nous avons fait quelques chiffres, par exemple, sur ça. Le tableau est là. Si vous regardez un peu entre 2010 et 2013, les moyens valus vont pratiquement crescendo, 32 milliards, 43 milliards, 70 milliards et 86 milliards presque en 2013, certainement en 2014, ça va augmenter. Donc tout cela, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, est lié à l'application, bon, au style rédactionnel de la loi que nous appliquons actuellement. Mais comme on est dans la perspective de la réforme du code minier, c'était bon de mettre un peu en exergue ces limites afin que nous puissions traduire en guise de conclusion tout cela sous une forme de recommandation. Certes, donc, les États africains, en particulier ceux qui sont en voie de développement, comme le nôtre, doivent avoir un dispositif fiscal et douanier favorable à l'investissement. Le principe, il est acquis. Personne ne peut en discuter. Mais compte tenu de la faiblesse de nos ressources naturelles, un équilibre doit être trouvé entre l'impératif de mettre en place un dispositif incitatif et l'impérieuse nécessité de sauvegarder les intérêts du trésor public afin d'optimiser les recettes budgétaires pour le financement d'autres secteurs de développement de notre pays. Ainsi, selon nous, nous pensons que la réforme du code minier qui est présentement en cours doit nécessairement tenir en compte cet équilibre. À cet effet, nous formulons quelques petites recommandations, dont la première est d'aller vers ce qu'on appelle l'instauration d'une liste minière durant chaque phase, qu'on soit dans la phase de recherche ou dans la phase d'exploitation. Cela permettra de régler tous les problèmes que j'avais évoqués tout à l'heure, parce que dans la liste minière, l'espèce est précise, la quantité est précise, la valeur est précise, les administrations connaissent à l'avance les différentes formes qui vont faire l'objet d'une importation. Deuxièmement, c'est dans le cadre effectivement de cette réforme, d'éviter vraiment dans la rédaction des avantages à accorder, d'utiliser des mots génériques qui sont susceptibles de recevoir plusieurs types d'interprétations. Et en troisième petite recommandation, c'est aussi important, parce que dans le code minier actuel, chaque phase est délimitée. C'est-à-dire chaque phase a un temps bien précis. La phase de recherche et la phase de l'exploitation, on dit que pour bénéficier des avantages douaniers pendant la phase de recherche, il faut tant d'années. Pour la phase d'exploitation, il faut tant d'années. Et je crois que le respect scrupuleux de ces délais impartis pour bénéficier de la franchise à chaque phase, à défaut d'exploitation de cet avantage durant la phase d'exploitation, me semble effectivement important. Parce qu'est-ce qu'on constate souvent? On peut dire, vous avez, pendant la phase d'investissement ou de recherche, 3 ans, mais d'avenant en avenant, on peut excéder très largement, certainement, les 3 ans qui ont été impartis. C'est pourquoi, pour moi, dans chaque chose, le respect du temps est bien important, comme j'ai tenté moi-même de respecter scrupuleusement le délai qui m'a été imparti pour faire la présentation. Je vous remercie de votre très aimable attention. Préliminaire, c'est de poser la, de trouver la position du problème. La question qu'on se pose a priori, c'est à quel niveau se situe le problème? Quel est l'impact des richesses minières sur les pays qui sont concernés? Et le consensus qui est fait autour des politiques publiques à mener pour régler ce problème, d'augmenter la contribution du secteur minier au développement des pays, c'est un consensus sur 4 objectifs. Le premier, c'est une optimisation de la fiscalité des ressources. Le deuxième, c'est une gestion des attentes. Le troisième, une gestion des recettes. Et une gestion de l'impact sur l'environnement et les populations en 4 points. Sur ces 4 points-là, nous allons insister sur 2, le premier et le troisième, et tout en sachant que toute politique minière doit répondre aux questions
suivante. Comment décider l'approbation de mon projet? Quelle politique fiscale adopter? C'est ce qui détermine les recettes de l'État. Et comment justifier la répartition des recettes et des rentes? Le plan qu'on va suivre s'articule en trois points. On présentera d'abord la topologie des acteurs. Quand on parle du secteur minier, de qui on parle? Il s'agit des États, il s'agit des sociétés minières et de plus en plus des communautés. On va insister surtout sur les États et les sociétés minières. Pour les États, on regardera certains indicateurs économiques. Et pour les sociétés minières, surtout analyser les stratégies. Dans le deuxième point, on va essayer de voir à travers l'historique des politiques minières. Et un troisième point, nous allons faire nos propositions pour atteindre l'objectif visé, c'est-à-dire faire du secteur minier un facteur de développement. Ce qu'on remarque sur cette diapositive, c'est que aujourd'hui, toutes les institutions et les partenaires de l'Afrique ont changé de vision. Au départ, c'était des incitations à avoir des contrats attractifs pour appeler les investisseurs, mais de plus en plus, aussi bien les institutions comme l'Union africaine, les CR, mais aussi les partenaires financiers comme la Banque mondiale et FMI, qui se posent toutes de structures qu'on voit ici en Orange, UNECA, ces structures-là sont destinées à apporter un soutien sous forme d'études sur ces problèmes-là, ou bien de un soutien financier, ou un soutien sur le renforcement des capacités humaines dans les négociations. Donc tous ces cadres-là montrent que globalement l'Afrique dispose aujourd'hui d'une assistance pour augmenter ses revenus dans le secteur minier. Qui reviennent à l'économie nationale.
Et on voit ici, sur les voleurs, à part les salaires, tous les voleurs en rouge, achats locaux, impôts et taxes, dividendes, interversés aux créditeurs locaux, toutes ces valeurs-là sont très faibles. Ce qui fait que, malgré des recettes importantes, des valeurs d'exportation importantes, ce qui reste dans l'économie nationale est faible d'une part, et d'autre part, cette économie-là n'est pas structurée par l'activité minière. Et donc, on a un secteur minier qui est important, mais les activités industrielles qui doivent l'accompagner restent faibles. Et dans ce modèle de cash flow basé ici, on voit que l'État ne contrôle pas en réalité certains paramètres qui peuvent déterminer sa part de revenus, à part les royalties, l'ensemble des autres paramètres sont au-delà de son contrôle. Et le principe dont il dispose, c'est la fiscalité, mais elle est insuffisante. C'est ce qui explique donc cette faiblesse de revenus, explique en plus de facteurs externes, comme par exemple ce qu'on a observé depuis 2008 pour le cas de l'or, une forte augmentation des coûts. Ces facteurs-là expliquent la volonté des États de réviser les comptes miniers. On voit ici, sur ce tableau, pour certains pays miniers ouest africains, les dates d'adoption des comptes miniers et de dernière révision. Pour le Sénégal, on est en cours. Donc, les autres parties qui sont en rouge montrent les recettes potentielles pouvant provenir de ce secteur. Les royalties, on les augmente difficilement, on passe de 3 à 5 pour négocier. Et après, le reste, c'est par le jeu des exonérations, c'est des manques à gagner. Et je pense que c'est ce que le nouveau code essaie de rectifier. Donc, les mesures pour augmenter les revenus, en plus, sont perçues comme une source d'instabilité par le privé minier. Donc, les incitations fiscales, d'autre part aussi, sont déconnectés des réalités géologiques des projets. Ce qu'on entend par réalité géologique, c'est par exemple quand on regarde des délais d'exonération qui couvrent des périodes parfois plus longues que les durées de vie des gisements qui sont déclarés. En Afrique de l'Ouest, ce qu'on a vu en moyenne, c'est que les gisements sont entre 1 et 3 millions d'os, donc moins de 10 ans d'exploitation plus souvent. Et quand on regarde ces délais d'exonération, il ne reste pas beaucoup de temps que l'État perçoit des dividendes significatifs. Donc, les revenus restent faibles. Du point de vue des sociétés minières, également, il y a des stratégies qui sont développées. Et on remarque ici que, sur le classement des risques, les trois premiers sont directement liés à l'évolution des prix. Ici, je prends l'exemple de l'or. On a vu en 2008 il y a eu un pic. Et depuis 2008, il y a les trois premiers risques sont apparus, surtout pour le risque de taxer aux réserves qui est dénommé licence sociale pour opérer. Ce risque-là perdure depuis 2008 parce que à cette époque-là, les communautés avaient perçu des recettes importantes sans avoir des impacts positifs significatifs sur leur condition de vie. Et ce risque est persistant. Et donc, les réactions des sociétés minières par rapport aux variations de paramètres comme les prix sont citées ici, par exemple, limiter les dépenses de capital, accorder la priorité aux indicateurs qui rapportent de l'argent rapidement. Ensuite, poursuivre le développement de ressources les plus sûres, disons. Donc, certaines réactions du privé minier vont entrer en conflit avec les intérêts de l'État si cet État a un comportement entier. C'est ce qu'on retrouve ici. Donc, historiquement, cette volonté de faire du secteur minier un moteur de croissance, de prospérité, de développement n'est pas nouveau. Depuis les indépendances, les premières mesures ont été d'utiliser les recettes d'exportation pour financer le développement. Ensuite, il y a une période de baisse des prix qui a été à l'origine de l'élaboration de ces codes
soi-disant attractif. Et depuis la reprise des prix dans les années 2000, les États essayent de retourner les choses à leur faveur en essayant d'influencer, d'augmenter les recettes et les rentes minières. Donc il y a une constante, c'est une volonté des États de puiser des revenus pour financer le développement, mais le problème c'est comment partager la rente. Les mesures sont donc contenues dans les dispositions des codes miniers, mais parfois dans ces codes, on constate des objectifs inconciliables. J'ai pris ici l'exemple du PSE, la référence à Centre concernant les priorités pour la réalisation des projets phares. On voit au premier point que la mise à jour doit garantir à la fois un cadre fiscal et une meilleure prise en compte des intérêts de l'État, à mon avis, exemple de hausse des redevances. À mon avis, c'est une hausse des taxes et une exonération inconciliable avec une attractivité qui s'exprime par une baisse des redevances ou des taxes. Le deuxième point, par exemple, propose la mise en place d'un fonds pour consolider les parts de l'État. Là aussi, il y a une position inconciliable entre des revenus faibles basés sur le système concessionnaire et la mise en place de fonds. Avoir un fonds signifie avoir des recettes consistantes. Le troisième point, par contre, mérite réflexion et intéressant, c'est de créer un acteur national qui va gérer les intérêts de l'État sous forme de portefeuille minier. Et là, j'ai considéré que l'exemple du Maroc est à mériter, avec une région qui fait de l'exploration et de l'exploitation. Donc, les résultats fixés au secteur minier sont difficiles à atteindre, puisque certaines conditions ne sont pas remplies. Et, entre autres, il y a la captation de la valeur ajoutée et l'intégration du secteur minier dans le tissu économique local. Donc, nous, ce que nous proposons, c'est par rapport à cette démarche qui plombe un peu les recettes de l'État, de changer de pratique, de revoir le niveau et la nature d'implication de l'État dans les projets miniers. L'ancien paradigme nous disait que l'État n'est pas opérateur, n'est pas pour vocation d'intervenir. Et c'est ça qui est à l'origine du régime concessionnaire. Et avec ce régime, on a vu, à travers différents exemples, qu'il est difficile d'optimiser les revenus. Donc, autour de 5 points, nous allons faire les propositions suivantes. Dans un premier temps, l'État doit intervenir dans l'évaluation économique des projets, ainsi que dans la définition des seuils de rentabilité. Parfois, une société minière peut avoir des critères de rentabilité qui peuvent déterminer la mise en exploitation du gisement, alors que ce n'est pas à l'avantage de l'État. Donc il s'agit ici d'envisager entre autres tous les scénarios de développement et prévoir les flux de revenus et calculer les parts. La deuxième proposition, c'est que l'État doit considérer toutes les sources d'incertitude et négocier leurs effets. Les négociations de convention et la fixation des exonérations ou des congés fiscaux, si tout ça est défini à partir de la seule information apportée par la société minière, c'est de nature à réduire les revenus de l'État. Donc il s'agit ici de discuter les paramètres incertains de l'état d'âme, alors que l'intérêt de l'État, c'est l'exploitation. Sur ce point-là, concernant les petites parenthèses sur les repères par du décès de taxation traditionnelle, c'est la défense et les royalties. Donc on voit ici que les taux sont faibles. Et sinon, il y a des exonérations sur l'exploitation. Et sur ce tableau, on voit que les outils traditionnels de taxation ne sont
pas forcément bien choisis. Par exemple, la taxe à valeur, la redevance minière. Si l'objectif de l'État est d'optimiser sa part, ne devrait pas être appliqué sur la valeur, sur le profit, mais surtout les points 5, c'est-à-dire sur la ressource ou par appliquer un système de partage de production. Donc, on voit qu'en fonction de l'objectif de l'État, il y a des outils de taxation qui peuvent déterminer l'utilisation de la part de l'État. Donc, sur ce point-là, la proposition numéro 4, c'est que l'État doit adopter un régime fiscal conditionnel. Ça peut être complexe, mais c'est moins susceptible justement d'être modifié. Le terme conditionnel ici ne signifie pas qu'il va exister un système de taxation pour chaque projet. Cela signifie que pour chaque projet, il faut envisager tous les scénarios possibles, les pires comme les meilleurs, ou les pires. Nos corps prévoient déjà des possibilités d'attendre dans la société minière, mais dans des conditions meilleures, il faut envisager un système de fiscal, de taxation qui va utiliser des taux supérieurs à la norme. Enfin, cinquième point, cinquième proposition, c'est que l'État doit utiliser ça justement, ce qui permettra de faire du secteur minier un moteur de croissance, c'est le revenu géologique, le revenu issu du secteur minier doit être utilisé au financement de projets spécifiques, structurants et locaux. C'est on voit, par exemple, pour financer le secteur, la fiche géologique, l'inventaire géologique dont je parlais tout à l'heure, les revenus peuvent être utilisés par l'État, contrairement à ce qu'on a vu dans l'histoire en tout cas géologique du Sénégal, où le plus souvent les missions étaient financées par, jusqu'au dernier passant qui s'est passé en 2010, par la communauté européenne ou par des fonds de soutien. Nous pouvons financer notre propre inventaire géologique à partir d'une affectation de ces revenus. Les besoins des communautés locales pourront être pris en charge de manière plus efficace sans s'appuyer sur la RSE. La RSE, c'est une affaire de l'entreprise, je pense, qui est destinée, même si c'est généreux, c'est destiné à ses propres actionnaires. Et donc, pour un secteur minier conforme aux objectifs de développement durable, on cite ces trois points-là. Le potentiel géologique doit être bien mesuré. Le secteur minier doit structurer l'économie et l'industrialisation. Et les revenus miniers doivent être investis dans tout le secteur. En conclusion, il s'agit de préserver les intérêts de chaque partie, cela, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, pour la société minière, elle doit optimiser et sécuriser sa rentabilité et ses profits, mais elle doit accepter des taux de rentabilité réalistes et partager équitablement les profits. Et pour l'État, certains points sont cités, entre autres. Pour optimiser ses revenus et préserver la rentabilité de la même société, c'est que les taux et taxes doivent être, et les installations doivent être déterminées par les caractéristiques du projet, et j'ai mis géologique entre ces techniques et financières. L'État doit accroître sa part de capital pour influer sur les stratégies des sociétés d'exploitation. Il doit s'appuyer sur les revenus optimisés, et donc changer d'attitude par rapport à la RSE. Et enfin, gérer prudemment les notions de communauté qui, à mon avis, sont incompatibles avec la construction d'une nation. Même si on doit faire une discrimination positive pour les populations riveraines des mines actives, ce projet doit être géré avec prudence. Voilà, je vous remercie pour votre attention. De vous présenter, mais aussi je tiens à remercier ce public merveilleux qui, dès les premières heures, est venu remplir la salle, certains même bravant la soif et la faim, tout juste pour écouter les différentes présentations qui leur sont faites au cours de cette journée. Encore une fois, tout le mérite vous revient. Merci beaucoup pour l'attention que vous portez à cette terre. Ceci étant,
il y a un réaménagement qui a été fait compte tenu du retard que nous avons accusé. Et vous avez sans doute constaté. Donc, en lieu et place du porteur, on va enchaîner avec la session 3, qui sera présidée par M. Ousmane Tissé, directeur des mines et de la géologie, et qui portera sur le cadre opportunité et perspective d'investissement dans le secteur minier. Et à la fin de cette troisième session, le cocktail sera organisé à votre honneur. Je vous remercie. Je voudrais demander à Madame Sène Niakiao, Monsieur Lamine Ba de l'APEX, Madame Sène Niakiao, directrice générale de la Direction générale des impôts et domaines, Monsieur Lamine Ba, économiste APEX, Monsieur Bruce Chapiro, président de Mine Africa, Papa Madiaw Ndiaye, Afrique France, Monsieur Amadou Kot, directeur général de Francis, Monsieur Gomis Patrice, chargé d'investissement, investment et partenaire, et Monsieur Sauvigo, directeur général de Jocosim, de nous rejoindre au président pour qu'on commence notre session 3 qui porte sur le cadre opportunité et perspective d'investissement dans le secteur minier. Donc, comme nous le savons, le secteur minier fait partie des secteurs prioritaires sur lesquels l'État du Sénégal porte pour assurer son développement économique et social. Et pour booster ce développement, la fiscalité constitue un levier important pour attirer des investisseurs et accroître des ressources publiques qui permettent à notre État cher Sénégal de financer son développement, surtout dans le contexte du plan Sénégal émergent. Donc je vais pas, Monsieur le Président, revenir un peu sur le régime fiscal du secteur minier. Mon collègue Abdoulaye Badiane m'a parlé sur le régime dérogatoire, le droit commun incitatif et sur les mesures prises pour développer le secteur des mines. Donc je ne rentrerai pas dans les détails. Je vais tout juste parler de l'évolution du cadre réglementaire et ensuite faire une analyse de la situation actuelle et dégager quelques perspectives. Donc, en ce qui concerne l'évolution, donc, en effet, le secteur minier sénégalais s'est limité pendant plusieurs décennies à l'exploitation des phosphates et des carrières. Même si des prospections durant les années 80 avaient permis d'avoir des informations sur l'existence diverses substances minérales, notamment dans le sud-est du pays. La situation a évolué dans les années 2000 avec les premiers investissements destinés à l'exploitation entre autres d'or et de fer et plus récemment de zircon. Et aujourd'hui, on parle de pétrole. L'évolution des textes juridiques a accompagné cette marche du secteur minier de notre pays. En effet, depuis l'indépendance, divers textes ont essayé d'organiser les premiers étant ce secteur. Donc, les premiers étant les décrets de 61-351 et 61-357 en date du 21 septembre 1961, et ont pour objet respectif le régime de l'exploitation des carrières et la réglementation et la modification du régime des substances minérales. La loi de 72-2 du 19 avril 1972 et son décret d'application ont ensuite modifié le régime des carrières avant que la loi 86 ne vienne fixer les taxes relatives à la prospection, la recherche et l'exploitation des mines et carrières. Dans cette démarche du secteur minier national et de la législation qui l'accompagne, un grand pas a été franchi en 1988 avec le vote premier code minier à la faveur de la loi 86-06. Donc, 17 ans plus tard, le code de 2003 est venu consolider les acquis de 40 ans de suivi du secteur et ouvrir de nouvelles perspectives. Donc, des travaux de révision en cours devraient parachever cette marche
et ouvrir les pistes pour l'utilisation optimale de nos ressources naturelles. Une constante dans ces textes est la place qui a toujours occupé la fiscalité. En effet, autant que celles relatives aux opérations minières, les dispositions fiscales ont toujours eu une bonne place dans la législation relative au secteur minier. Donc cette situation s'explique par le fait que la fiscalité a souvent été présentée comme un des enjeux principaux de l'attrait d'un pays pour les investisseurs. Mais il est toutefois utile de préciser que la question fiscale est à manier avec une certaine prudence. En effet, il s'agit dans son utilisation de trouver le juste milieu entre la nécessaire séduction de l'investisseur et les intérêts du pays. Cela donc implique, entre autres, de bien réfléchir sur les mesures à prendre, mais aussi d'évaluer celles qui sont déjà prises et mises en œuvre. Donc cette fiscalité doit accompagner la politique minière au meilleur des intérêts du pays. Donc c'est pourquoi le Sénégal a mis en place un cadre attractif pour attirer les investissements sur le plan minier. Et je crois que M. Badiane est revenu sur le détail sur tout ce qui est prévu comme avantage pour permettre à ce secteur de se développer et de participer au développement économique de notre pays. Je vais peut-être essayer un peu de procéder dans un premier temps les exonérations. Dans la phase de réserve, je crois, comme il l'a dit, il y a une exonération totale. Dans la phase d'investissement, il y a une innovation par rapport au niveau général des impôts, où on a mis à la place de l'exonération de TVA, une suspension de TVA. Et dans la phase de production, on a limité certaines exonérations et on a supprimé l'impôt sur les sociétés pour peut-être mettre dans le dispositif le crédit d'investissement. Mais je vais un peu insister aussi. Comme il l'a dit, il y a eu aussi depuis 2012 l'introduction d'une taxe spéciale sur les mines et carrières. Donc cette taxe qui est appliquée sur les ventes des sociétés avec un taux de 5% et qui est rentrée dans la LFR qui vient d'être signée à 3% pour les cimentiers et avec une réduction de base taxable pour permettre à nos cimentiers d'être compétitifs. Donc, on a exclu aujourd'hui, donc dans la LFR, tout ce qui est exportation dans la base de taxation de cette contribution spéciale. Cette loi aussi a introduit un taux dégressif en ce qui concerne l'or, ce qui fait que donc, le taux retenu en 2014, c'était 4%, en 2015, 3% et 2% en 2016. Donc, c'est dire que l'État quand même se soucie un peu de l'environnement des affaires pour pouvoir permettre au secteur mine de se développer, de mettre un cadre assez attractif. Je suis revenu sur cette contribution parce que je crois que ça fait l'objet de beaucoup de contentieux. Et je crois que l'État est dans la logique en tout de pouvoir arrêter cette taxe à terme. Aujourd'hui, peut-être je ne pourrais pas me prononcer sur la date d'arrêt de cette taxe, mais je crois que les autorités sont dans les dispositions de cette taxe soit éliminée. Jusqu'en 2016, je crois que c'est confirmé dans la LFR. Donc, vous voyez que c'est un cadre. Le cadre mis en place est attractif et ça nous a permis quand même de faire des résultats. Mais je crois qu'il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire dans ce secteur parce qu'au fur et à mesure, on a remarqué que les potentialités du pays seront maîtrisées. Les mesures d'accompagnement tournant la fiscalité doivent prendre en compte la réalité du moment et que les perspectives de revenir, mais une analyse profonde nous indique de faire une analyse profonde de la situation pour pouvoir améliorer nos efforts dans ce domaine. Donc je m'en vais donc pour faire une analyse de la situation actuelle et un peu dégager des perspectives par rapport à l'avenir. Pour une analyse profonde, je pense que ce qu'on a constaté à l'application de ce régime fiscal incitatif, il y a eu plusieurs situations, surtout avec l'avènement du Code général des impôts qui a transposé des dispositions fiscales dans ce code. On voit qu'il y a certaines entreprises qui ont eu leur agrément ou leur permis de recherche avant l'entrée en vigueur de cette loi de 2013 sont soumises à deux votes.
Donc, il y a le code général des impôts et il y a le code minier. Pour celles qui ont eu des permis antérieurement à la loi de 2013, donc c'est le code minier qui s'applique. Il y a également les régimes dérogatoires au code minier. Je vous parlais de conventions signées et qui donnent des avantages à certaines sociétés, notamment les cimentiers. Il y a aussi, en tout cas, ce qu'on a remarqué dans l'application de la fiscalité dans le secteur du minier, je ne dirais pas manque de coordination, mais insuffisance peut-être de collaboration entre les ministères qui gèrent les mines et le ministère de l'économie et des finances. Et je pense qu'il y a des efforts à faire pour pouvoir améliorer nos recettes. Nos recettes, parce qu'on a constaté qu'il y a des manques à gagner assez importants du fait peut-être de manque de contrôle des déclarations de certaines sociétés. Aujourd'hui, je crois que comme à l'image de certains pays de la sous-région, le ministère de chargé des mines et des investissements, on devait augmenter la collaboration entre le ministère des mines et le ministère des finances pour pouvoir optimiser les revenus de l'État. Dans le cadre de, concernant les perspectives, je crois que l'une des mesures les plus importantes en tout cas, à faire, c'est d'unifier la loi à tous les bénéficiaires. De telle façon qu'on pourrait avoir à poser le problème de renégociation des conventions qui sont menées à terme, même si celles-ci prévoient une stabilisation, je crois qu'il est temps que l'État puisse en tout cas, renégocier en mettant en place un modèle de convention gagnant-gagnant pour toutes les entreprises qui décident s'insérer au Sénégal. Ça, c'est une suggestion forte. Je crois qu'il y a déjà un pas qui a été fait avec la convention qui a été signée avec l'IGE. Donc, l'État pourrait, je crois, que mettre en place ce système pour permettre à toutes les administrations de se prononcer et d'avoir une convention uniforme par rapport aux spécificités de chaque entreprise. Il est aussi nécessaire, hein, toujours dans les perspectives, de veiller au partage des informations, je l'ai dit tantôt, dit, entre les administrations. La mise en œuvre des avantages accordés par les différents textes en partie du ressort de l'administration ne relevant pas du ministère en charge des mines. Donc, celles-ci doivent, dans les conditions, effectuer efficacement les contrôles. Ainsi, un partage en temps réel des informations relatives aux signatures de conventions, aux autorisations de recherche ou d'exploitation permet d'anticiper sur les requêtes à venir par des entreprises minières afin de pouvoir y répondre avec célérité. Donc ça, je crois qu'il faudrait qu'on améliore, qu'on accélère la collaboration entre différents ministères qui interviennent dans le secteur des mines. Je veux en tout cas insister sur la collaboration entre l'administration, le ministère des mines et le ministère des Finances, surtout dans le domaine financier. Toujours dans les perspectives, je crois aussi qu'il serait bon qu'on évalue les avantages octroyés à ce secteur. Donc souvent l'État renonce à des impôts. Et la renonciation, c'est en échange de construction d'infrastructures, en échange de création d'emplois, en échange de beaucoup, en tout cas d'avantages sur le plan économique. Donc il serait bien que, je crois, que l'administration puisse évaluer, en tout cas l'État puisse évaluer ces avantages octroyés en rapport avec les objectifs qui ont été fixés en accord avec ces mêmes avantages. Donc là, je pense que c'est un point important et c'est ça qui permet à l'État aujourd'hui de voir quels sont, en tout cas, si les objectifs qui ont été visés en donnant ces avantages ou bien en signant des conventions sont atteints. Donc, il est important, je crois, que, que cette évaluation soit faite. Il est bien aussi, je crois, dans les perspectives que les administrations compétentes établissent des passerelles en vue de faciliter le contrôle des contributions des entreprises minières. Donc aujourd'hui, comme certains pays le font, je crois que c'est l'administration, le ministère des Finances, en rapport avec, par le biais de l'administration fiscale, qui effectue qui se prononce sur la validité des déclarations déposées par les sociétés minières. Je vous parlais un peu des redevances.
ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est un paiement qui se fait, mais derrière, je ne sais pas s'il y a un contrôle, parce que la déclaration, le pendant de la déclaration, c'est le contrôle. Donc, dès que la société minière déclare ses règlements, je crois qu'il faut qu'il y ait, qu'on mette en place un mécanisme qui puisse vérifier cette déclaration, l'assiette, surtout de la redevance minière. Ce serait important, en tout cas, pour pouvoir améliorer les réserves. Toujours pour parfaire ce dispositif, comme je l'ai dit, je pense qu'il serait bien un peu de revoir les exonérations qu'on a octroyées, qu'on octroie aux entreprises minières dans les différentes phases. La phase de recherche, la phase d'exploration, ok, on peut accorder des exonérations pour permettre à l'entreprise de se développer et d'investir. Mais nous pensons qu'à la phase d'exploitation, il fallait au moins réfléchir pour mettre, surtout qu'on a mis en place un système, un droit commun incitatif, de mettre ces entreprises dans le droit commun incitatif, ce qui permet à l'État, en tout cas, d'avoir des recettes beaucoup plus importantes et qui permettra de financer son développement. Je crois que dans toutes les perspectives, il faudra qu'on voit un peu le code minier, essayer de rendre opérant le code minier de l'UEO. Ce qu'on a remarqué, c'est que je crois que c'est un code qui n'est pas encore appliqué dans les pays. Or, l'adoption de ce code présente l'avantage d'uniformiser les pratiques et d'éviter une concurrence fiscale dommageable pour nos États de la sous-région. En effet, à l'absence de référentiel unique, les États sont tentés, chacun de son côté, à offrir des exonérations pour attirer davantage d'investissements directs. Or, cette course vers l'arrière est préjudiciable à tous les États. Les obstacles à l'application de cette norme, s'il en existe en tout cas, devaient être levés pour permettre à nos États de préserver leurs intérêts sans pour autant freiner l'investissement privé. Donc, voilà donc ce que je voulais un peu dire avant de conclure pour dire que la fiscalité applicable au secteur minier doit prendre en charge divers impératifs, aussi importants les uns que les autres. En effet, il est nécessaire, avant tout, au législateur fiscal d'avoir une relative maîtrise du secteur et surtout des différents intervenants qui s'y octroient. Cela lui permet de définir un cadre fiscal général. Ensuite, de façon schématique, pour booster le secteur, le législateur doit favoriser la recherche et l'exploitation minière. Une situation d'exonération étendue aux impôts à la charge de l'entreprise pour en laisser logiquement se justifier, mais le dispositif fiscal sénégalais actuel semble répondre à cette exigence de l'objectif. Il convient peut-être tout juste de prévoir certaines exonérations dans les deux phases et de les limiter dans la phase d'exploitation. Ainsi, au niveau des impôts directs, notamment de la TVA, je crois que pour préserver sa neutralité, il faut, je pense, maintenir le système de TVA avec un système de déduction. Il convient donc, pour conclure, de relever que la fiscalité, certes, est un excellent levier pour attirer les investisseurs, mais il convient bien de bien la manier pour qu'elle ne soit pas en retour un obstacle à une exploitation de ressources de notre sous-sol au mieux des intérêts de notre pays. Je vous remercie. Donc, ça baisse. Et pour les autres propositions que vous avez faites, je pense que dès la fin du salon, on va mettre en place un cadre de concertation entre la direction des impôts et des domaines, la direction des mines et les autres directions intéressées pour approfondir la réflexion qui a été faite sur les questions 4 soulevées et qu'on retrouve également dans les synthèses de la commission de revue des conventions minières. Donc je vous remercie encore pour votre excellente communication et je vais passer la parole à M. Bahlamine, économiste industriel, directeur de l'environnement des affaires à l'APEX, qui va traiter du climat de l'investissement et développement des entreprises pour l'émergence du Sénégal. M. Paul, vous avez la parole. Merci.
présentation, il est articulé sur la relation climat des investissements et développement des entreprises pour l'émergence. On parle un peu des questions un peu théoriques de définition et de fondement. Quand on regarde en général, quand on parle de climat de l'investissement, on va se rendre compte par le graphe qui est projeté que la question est beaucoup plus large que la question des questions d'incitation, des questions de politique fiscale, des questions de mesures administratives. On voit que la décision de l'entreprise prend d'autres aspects. C'est-à-dire, quand on prend une entreprise minière, je ne pense pas que ce soit seulement la question fiscale qui fait qu'il décide d'investir dans un pays ou qui fait sa rentabilité dans un pays. Si on regarde la question, tout ce qui touche dans l'environnement des affaires, c'est à la fois les mesures sur lesquelles l'État peut directement agir par une mesure normative. C'est les mesures incitatives, c'est le cadre politique, c'est la facilitation des procédures. Et quand on regarde les autres aspects, c'est beaucoup plus complexe pour nos pays. C'est la question des compétences. Aujourd'hui, dans tous les pays, on veut être des secteurs miniers. On va dans le secteur minier. Ce n'est pas évident que la question des compétences et des ressources humaines dans ce secteur, que nous avons les meilleurs et que nous avons toutes les spécialités et que nous n'exportons pas ou nous n'importons pas des ressources humaines pour développer les mines. Si on regarde la question des infrastructures de qualité, aujourd'hui, les sites minières se retrouvent à l'est du pays. La problématique aujourd'hui, c'est de dire comment les amener à Dakar et les mettre et les relier au marché mondial où se trouvent, où se trouvent les demandes d'or. On voit aujourd'hui quel est le déficit qu'on a sur ce niveau. Les autres aspects, je pense tout de suite qu'on en a parlé, c'est tout ce qui est prévisibilité économique. Quelles sont les règles de jeu qui sont dans les pays? Quel est le temps de durée? Est-ce que souvent on ne revient pas sur, on ne change pas les règles de jeu? La question de la stabilité politique, et aujourd'hui de plus en plus on parle même de stabilité institutionnelle, c'est quelque chose qui se pose et on a vu tout récemment le cas de ce qui s'est passé à côté du Sénégal. Et aussi la question de la connexion par rapport au marché financier, parce qu'en général, le secteur des mines est un secteur dont l'intensité capitalistique est très élevée. Donc si on convient, on voit que la question du climat de l'investissement va au-delà des questions administratives ou des questions fiscales. En général, si on fait un bon code minier, on arrive à régler cette question. Mais si on veut résoudre les questions liées au climat de l'investissement, on est beaucoup plus sur des aspects de moyen et long terme. Il faut avoir des infrastructures de qualité, il faut avoir des compétences. Du point de vue de l'émergence, je pense qu'il y a, si on regarde de façon dans la littérature, quand on parle d'émergence, il y a quelque chose, sur les pays qu'on a considéré comme émergents, il y a 4 ou 5 attributs qu'on y retrouve. C'est un leadership au plus haut niveau, mais c'est surtout des règles de jeu qui sont simples et attractives. Quand vous regardez un pays comme la Malaisie, les règles de simple sont... Les règles de jeu sont lisibles, faciles, il n'y a pas d'interprétation à deux niveaux. La situation macroéconomique est souvent stable et on a aussi un marché financier assez développé. De plus en plus, on voit que dans ces pays qu'il y a un secteur manufacturier et une industrie de services qui se développe par l'innovation ou par le transfert de technologie. Je pense qu'il y avait une présentation qu'il a montrée du professeur, il y a une forte contribution des IDE. C'est des pays aussi qui ont eu à avoir des infrastructures performantes et une classe moyenne qui s'est dégagée ces dernières années. Donc, je projette un peu ce schéma, c'est pour montrer un peu le lien entre l'attractivité et l'émergence. Ce n'est pas un lien direct. Il y a des niveaux qu'on... On pense souvent quand on a une attractivité, qu'on a une capacité de capter des investissements. On pense quand on a, et ce n'est pas évident, quand on a des investissements, on peut développer des entreprises. Et ce qui est, cette relation, parfois, elle n'est pas aussi développée, elle n'est pas évidente. Et l'autre relation, on pense si les entreprises, on dit souvent dans le plan Sénégal émergent que le secteur privé ou l'entreprise est le moteur de la croissance. Si les moteurs de la croissance, si on l'accepte, on a deux hypothèses, quand on a de la croissance, on peut avoir de la valeur. On peut avoir plus de valeur ajoutée et ce n'est pas évident que quand on a plus de valeur ajoutée aussi, qu'on a une création d'emplois. Aujourd'hui, toute la problématique qu'on a dans les pays émergents qui visent l'émergence des pays comme le Sénégal, c'est comment aller à plus de valeur ajoutée avec plus d'emplois. Donc, dès le début, parce qu'on a des pays où la majorité de la population a moins de 35 ans. Donc, il y a une quête
d'emploi qui s'opposent à l'État. Donc aujourd'hui, si on veut développer l'attractivité dans ces pays, on doit mettre dans le contenu attractivité des politiques qui permettent en même temps de créer de la valeur ajoutée et de créer de l'emploi. Donc on vient souvent à la définition de l'attractivité, c'est la norme d'attractivité qui est la plus proche de l'OCDE. Sur l'autre aspect sur lequel je voulais peut-être... je pense ici, ce matin, les gens en ont un peu parlé. Si on regarde ces quatre dernières années, c'est un graphe que j'ai pris du rapport de Ernst & Young de cette année, on voit que l'Afrique gagne en attractivité. C'est-à-dire qu'on a l'espoir de penser dans les pays africains qu'on a plus de sens de capter des entreprises, de créer de l'emploi et de créer... Et tout récemment, le dernier rapport de Doing Business qui vient de sortir montre que sur 230 réformes recensées dans le monde, les 75 ont été faites en Afrique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, et le Sénégal a été cité comme un des pays qui a évolué sur 6 des 10 domaines d'activité mesurés par l'équipe Doing Business. Donc on est d'accord que les pays africains aujourd'hui, si l'exigence de capter des idées ou de développer l'investissement privé, c'est de faire des réformes, les pays africains ont rempli ces conditions. Mais est-ce qu'elle est suffisante? Nous pensons qu'elle n'est pas suffisante. Quand on regarde sur ce graphe aussi, ces deux aspects, quand on interroge les mêmes investisseurs, je ne sais pas si c'est lisible, on les interroge sur la perception et on regarde sur la réalité. On voit qu'en général, ce qu'ils pensent mettre sur l'Afrique est plus élevé de ce qui est mis dans la réalité sur l'Afrique. Donc ça veut dire que en termes de perspective, la perspective, elle est beaucoup plus, elle peut être plus radieuse. On peut s'attendre que les gens investissent beaucoup plus sur l'Afrique, mais il y a d'autres préalables, il y a des préalables à lever. Et je pense que ces préalables, nous en reviendrons après. Et quand on regarde aussi, même dans les pays aujourd'hui qui arrivent à capter le plus d'investissements, on voit que dans ces pays, c'est les pays anglophones. C'est les pays qui sont reliés à l'IDE émis par les États-Unis, émis par la Grande-Bretagne et émis par l'Afrique du Sud. Et si on pose la question, nous, le Sénégal, on est plus corrélé à l'IDE corrélée latine, quand je veux dire comme ça, la France francophone, quelle est à peu près la perspective? Il y a quelque chose qui est important dans ce constat. On voit que le secteur minier arrive à donner plus de valeur dans certains pays comme le Kenya, dans certains pays aujourd'hui comme la Zambie, dans un pays comme le Ghana, et ça a permis aussi de créer de l'emploi. Et ça a même tiré des secteurs comme le secteur de l'hôtellerie et le secteur de la distribution. Et on interroge ces mêmes investisseurs pour leur dire dans les 3 ans à venir, je pense que j'ai exploité essentiellement le rapport de Ernst & Young et de FDA Intelligence. Dans quel secteur pensez-vous mettre de l'argent? Dans quel secteur pensez-vous investir? On voit que le secteur minier est en première position. Et ce qui suit, c'est le secteur agricole et le secteur infrastructure. Et la tendance est assez importante. Ce qu'on voit sur les top 15, quand on quitte les top 10 des investisseurs, on va sur les top 15, on voit un pays comme le Nigeria est en train de dépasser un pays comme l'Italie. Et aujourd'hui, quand on regarde la part qui sépare même le Nigeria et la Suisse, elle est assez marginale. Ce contexte africain, quels sont les défis pour le Sénégal? Si on regarde aussi, je reviens pas sur le plan Sénégal émergent, parce que l'une des hypothèses fortes du plan Sénégal émergent, c'est que le secteur privé est le moteur de la création de richesses. Donc si on veut que ce soit le moteur de la création de richesses, il faut que le secteur privé investisse plus. Et aujourd'hui, les pays émergents, c'est les pays qui ont dépassé le taux de 16 à 18% de contribution du PIB du secteur privé. Du secteur de l'investissement privé. C'est des pays où la part de l'investissement privé aussi est autour de 20%. Quels sont les défis pour doubler la part des idées au Sénégal? C'est lever les contraintes à l'investissement. Les contraintes à l'investissement, on n'a pas besoin de les lister, on les connaît. Et je pense, ce matin, le directeur général en a un peu parlé, le Sénégal a un programme de réforme de l'environnement des affaires qui a des mesures d'attractivité, mais aussi des mesures lever les contraintes de tout ce qui est contraintes structurelles. Il y a des réformes nouvelles sur lesquelles on est en train de travailler, mais qui sortiront peut-être dans 1 ou 2 ans. C'est tout ce qui est la question du foncier. Pour ce qui concerne le secteur des mines, c'est tout ce qui est
la compétitivité logistique des transports, parce que qui dit production minière dit transport. Il y a une forte corrélation entre le transport et la production minière, parce qu'on ne peut pas produire sur place et revendre sur place. Le marché n'est pas au Sénégal, le marché à l'extérieur de revente, donc il faut avoir des moyens logistiques pour transporter. L'autre aspect qui est hyper important pour ce qui concerne le secteur minier, c'est les décrets d'application qu'on doit prendre pour tout ce qui est texte sur les collectivités locales. Parce qu'il y a un certain nombre de redevances ou de taxes qui sont liées aux collectivités, qu'on doit reverser aux collectivités locales, où l'État du Sénégal doit avoir plus de lisibilité sur ces taxes. Et à la fin aussi, c'est tout ce qui est la question de la médiation, de la conciliation. On sait qu'aujourd'hui aussi, dans la question minière, c'est une question de contractualisation. Quand il y a des différends, où il faut les juger? Est-ce qu'il faut continuer à faire juger les différends en dehors du Sénégal ou il faut les faire au Sénégal? C'est une des questions qu'on pose. Je pense que je ne reviens pas. Je pense que l'État du Sénégal a fait des efforts pour faire des réformes ces dernières années, que ce soit dans le domaine de l'accroissement du financement par la loi PPP, par le crédit bail et la finance islamique. Il y a eu des réformes pour améliorer la qualité de l'administration en réduisant les délais et les coûts. Il y a aussi une fiscalité interne, nos collègues de la DGD en ont parlé énormément. Il y a aussi des formalités d'import-export qui sont parmi les plus performantes au monde. Et aussi, ce qui est important à connaître aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, le secteur des mines, par le phosphate, le zircon, le fer, l'or et le marbre, doit constituer le pont qui permet de tirer le secteur de l'agriculture, le secteur du tourisme et le secteur de l'élevage. Parce qu'il doit avoir une forte corrélation du développement économique local avec le développement minier pour permettre que la valeur ajoutée qu'apporte le secteur minier soit une valeur ajoutée qui a une consonance beaucoup plus sociale. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le défi, c'est arriver à avoir une corrélation forte entre le développement minier et le développement agricole. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui a été présenté ce matin par le directeur général, je pense, des ICS, sur la révision du modèle économique des ICS qui permet de produire plus d'engrais, peut être un des axes qui permet de renforcer ces liens. L'autre aspect aujourd'hui, en termes de tourisme d'affaires, si on arrive à se mettre un hub de services au niveau de Dakar qui permet d'accueillir le siège ou les liaisons office de certaines compagnies minières, peut permettre le développement du tourisme et permettre aussi le développement du service par Ricossi. C'était un peu l'objet de ma présence. C'était plus pour, par des faits et des chiffres, montrer un peu les évolutions sur le contexte africain et montrer aussi quelle est la place du Sénégal. Et je pense que le choix pour le Sénégal, ça doit être un développement minier à visage, si on peut dire, entre guillemets, humain, qui permet de créer plus d'emplois, qui permet de faire émerger de nouveaux pôles de développement dans les zones minières. Ça doit être le cas dans la zone de Thiès, ça doit être le cas dans la zone de Fosanto, ça doit être le cas dans la zone de Matin. Merci de votre attention. Merci. I feel that I'm a little bit sort of uneducated when it comes to Senegal in particular, and there are an enormous amount of changes that are taking place, and most of them that I've heard of appear to be very positive. I want to talk to you a little bit about how to market yourself, not so much within Africa, but particularly outside of Africa. And the places to market yourself are where the capital comes from. It is difficult to bring people to Africa to look. And therefore, African countries that are progressive need to separate themselves from this unfortunate situation of where something that's unfortunate that happens in Africa is not
specified by country. It's just Africa. It's Africa. And I, in order to overcome that, countries need to market themselves and the particularly with regard to what their advantages are. Oh, absolutely. Now, I'm going to use a horrible example, but it was a very good example. We put on a West African event last Wednesday in London. It was a full-day event. And one of the speakers was talking about Ebola. And he actually used Senegal as an example, as a very positive example of how the Ebola crisis is being handled. And it's things like that that stick in people's mind, because people don't realize that Ebola is in three areas. Yes, it's a terrible disease, but Senegal had one case, and that was it, and it's being controlled, and that's a very positive thing. Now, we, as Vine Africa, we are a platform for African mining companies and countries to promote themselves to African-friendly audiences. Because, as I say, unfortunately, Africa has this global curse, I guess. And, you know, where something unfortunate happens in one place, it's applied to everybody. So I think one of probably the main thing that needs to be done, given that your environment is good, and from what I understand, it is and it's improving, you need to take that material and you need to promote it to the people who make the decisions of where the money goes and the people that are head office. For example, Canada, Toronto, and I'm sorry to be promoting Canada when I'm here, but 57% of all mining companies have their head office there. So it's an ideal place for a country to come and promote itself. And business trips can be developed where you can be introduced to the people. There are always people looking for investments, and Canada particularly has two advantages. One, that it has all of the mining necessities, if you want to call it that. They are leaders in CSR, there are leaders in mining, but also they also have the French aspect where there's a French mining industry as well. So I think there are a couple of other things I just want to point out. Essentially, money doesn't have a conscience, right? Money doesn't care where it goes. It's going to go to the place that is going to give it the best return for the least amount of aggravation. And uncertainty is the enemy of investment. And the problem with all the changes in the mining codes and the tax levies and the royalties and all of those things is, first of all, by nature, they always happen behind what's happening in the market, because a lot of what has been changed now was based on the fact that gold was $1,800. Today, gold, I think, I don't know, $1,200, $1,250, something, I don't know, completely changes it. So there's this enormous change, and every time somebody says a tax rate's going to change, or a royalty rate is going to change, or whatever angle is going to change, that creates uncertainty in the investor's mind. So I think that one of the ideas about tax is, providing you stick to tax as the only lever, then it's fine. And providing you lay out what you're going to do with that tax at the time of the negotiation, that's fine. But if you're going to revise your tax code every, how often, you know, when the market goes up, by the time you revise it, the market's come down. And you're now revising it upwards in a down market. So my simple advice is, create your identity outside
of your country, particularly in the areas of where the capital markets are, Toronto, London, Australia. Those are the places that you should be promoting yourself, and make sure that you have a program that identifies Senegal as Senegal, not as Africa. I think that's... C'est là-bas où nous faisons le marketing. Et donc, vos paroles et vos conseils ont été bien donc, appréciés. Je vais passer la parole au directeur général de Francis, M. Amad Hort, qui va nous faire présenter sa contribution. Monsieur, vous avez l'opportunité que les organisateurs nous offrent pour partager un peu quelques idées, en fait, et présenter également le Francis, qui est un instrument nouveau du gouvernement du Sénégal. Le Fonds 6 a été créé, en fait, l'autorisation, sa création a été autorisée par une loi, c'est la loi 12-2012-34, autorisant l'État du Sénégal à créer un fonds souverain d'investissement stratégique, même si l'État du Sénégal, le pays, n'est pas un pays pétrolier ou bien un grand pays minier, comme ça se fait en général, dans les pays qui ont créé ce genre d'instrument. Nous sommes fonctionnels donc depuis octobre 2013. Nous sommes une société anonyme holding d'investissement qui est détenue aujourd'hui à 100% par l'État du Sénégal, dont le fonctionnement, la gouvernance, les missions sont en fait élaborées dans cette loi de manière très détaillée, de manière très précise. Le Fonds 6 donc est un fonds d'investissement, un fonds de développement en quelque sorte, donc qui a pour vocation de faire plusieurs choses. La première, c'est en fait de recevoir et de valoriser des actifs de l'État, parce que l'État, les États en général, sont les institutions, je dirais, les plus riches dans un pays. L'État a des terres, l'État a des participations dans des entreprises, l'État a des participations également dans des projets miniers, l'État également reçoit des royalties, etc. Donc l'État devrait essayer de valoriser ses actifs au lieu d'être seulement un État régulateur. C'est ce que le chef de l'État, le président Macky Sall, a compris. C'est pourquoi il avait proposé cet instrument dans son programme de campagne. Nous avons donc démarré, nous avons une équipe de professionnels donc de l'investissement, donc des gens qui ont travaillé dans des banques d'affaires, mais également dans des fonds private equity, qui ont travaillé également dans certains secteurs, tels que les agro-industries, les services. Et même il y a certains d'entre nous, ou bien quelqu'un d'entre nous qui a fait, en fait, qui a travaillé dans les sociétés minières. Donc on a des ingénieurs, on a des banquiers, comme je l'ai dit, qui ont donc la capacité d'étudier des projets, de structurer des projets et de mobiliser le financement pour ces projets en contribuant le moins possible, comme nous ne sommes pas un fonds qui est très riche, comme le fonds de Abu Dhabi, ou bien le fonds Temasek de Singapour, ou bien le fonds de l'Angola, ou bien les fonds du Nigeria. Et donc, ce que nous faisons, c'est en fait contribuer pour que les projets puissent démarrer. Nous sommes donc, dans certains cas, développeurs de projets. Donc, on commence un projet de zéro et on met l'argent pour faire des études de faisabilité, attirer des partenaires, lever le financement en fonds propres, donc avec ses partenaires, et également aller chercher de la dette au niveau du secteur bancaire local, secteur bancaire international, en fait, pour essayer d'exécuter le projet. Dans nos missions, nous sommes également co-investisseurs, c'est-à-dire que quelqu'un qui a son projet, ça peut être un projet minier, une société de services miniers, une société qui veut produire quelque chose au Sénégal, parce que dans un premier temps, on peut investir au Sénégal, on peut prendre des parts dans ce genre de société et contribuer également à la gouvernance, au développement de la société, donc conseiller la société, l'aider à lever des fonds. Ça, c'est ce que nous sommes en train de faire, d'ailleurs, dans certains projets qu'on a approuvés récemment. Nous pouvons également être un restructurateur d'entreprise, surtout dans le portefeuille de l'État. Comme la loi prévoit que l'État nous transfère certains de ses actifs, il y a une liste d'actifs qui est déjà arrêtée, qui va faire l'objet d'un transfert vers le Fonds 6. Cette liste inclut des sociétés d'État, donc il y a des sociétés dans lesquelles l'État a 99 ou même 100%. L'État nous transfère peut-être 49 et garde les 51. Et on intervient au conseil d'administration, on conseille
cette société d'État, on l'aide à lever de l'argent, à se restructurer, à fonctionner vraiment comme une entité purement privée, parce que nous fonctionnons comme une entité privée, même si nous sommes détenus à 100% par l'État du Sénégal, et tout ça c'est dans la loi, donc c'est difficile à modifier. Et donc, en fait, c'est ce que nous faisons. Et au niveau des transferts d'actifs également, l'État prévoit de nous transférer une partie, tout ou partie de ses participations dans les sociétés minières, en phase de production. Le code minier prévoit que l'État du Sénégal reçoive 10% gratuit, donc free carry. Donc l'État prévoit de nous transférer une partie pour que plus tard, les dividendes qui seront versés dans le futur, qu'on puisse les recevoir, les réinvestir dans l'économie pour créer plus d'emplois et financer des projets, mais toujours en fonds propres. Donc on n'est pas un instrument, une entité qui fait des prêts, on n'est pas comme la BNDE ou les banques commerciales, on n'octroie pas de garantie non plus, on prend des parts dans le capital des projets, des entreprises, des sociétés de projets. Quand le projet marche, on gagne un dividende, on gagne la valorisation de notre participation dans ces sociétés. Si le projet échoue, bah, on perd notre argent, contrairement à une banque qui va demander une garantie, qui va demander garantie sur le foncier, garantie personnelle, etc., et qui va essayer de recouvrer son argent si jamais la société ne rembourse pas. Donc nous, on prend plus de risques. Naturellement, on va exiger plus de rentabilité que la banque.